partout, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon, faut charbonner pour faire un tas de sous. Ça va Titix? Oh, ça mon frère? Mon Titix? Oui, ça va, tu vas bien? Ah merde, putain, je parlais pas. Ça va Titix? Boire la bière. Ah. Genre Blondinet, ça va quoi? Rappelle-moi Blondinet, je te coupe la tête, connard. Oui, ça va super. Je vais te mettre ça dans la gorge. Je vais te mettre ça dans le cul, tu vas voir. On se calme. Excuse-moi, sinon je dis hier que je dis hier ce que t'as essayé de faire. Espèce de sale balance de merde. Oui, Titix, pardonne. Tu fais une balance, donc ta gueule. Quoi, qu'est-ce qu'il y a eu hier? Y'a rien eu. Qu'est-ce qu'il veut le fiston, hein? Bah rien, je suis arrivé super tôt, les vagos ils arrivent toujours à 23h, donc du coup je suis passé vous voir. D'accord, ouais, bah bien tu vas te voir minutes, on a résolu ton problème. Bien tu vas te barrer une binge. Je suis content, vous aussi vous arrivez tôt, ça fait plaisir. T'as fait quoi hier soir? Bah hier soir on a braqué les... Non mais hier soir, après tout. Après je suis allé dormir dans mon canapé. T'as ma fille ou pas? Non, je baise une autre fille maintenant. Ah bon? Oh non, mais il a le droit, les gars, déconnez pas. Hein. Ah bon? Oui, j'avais. Il a le droit de trop tous de régulière, quoi. T'es cassé les couilles. Oui, c'est pour ça. Est-ce qu'ils se sont mariés? Est-ce que tu l'as marié? Bien sûr, on est marié avec Camélia, oui, bien sûr. Non, c'est ta régulière ou c'est pas ta régulière? Oui, oui, c'est ma régulière, Camélia, oui. Quoi? Et je vais me remarier ce soir. Tu lui as fait un mariage de biker ou pas? Je lui ai fait un mariage de. Non, c'était à Los Santos, on s'était marié. Bon, bah voilà, c'est pas ta régulière, c'est ta femme légalement, et puis voilà, c'est pas ta régulière. Oui, voilà, c'est ça, exactement, voilà, t'as compris. Bon, voilà, quoi, non mais. Eh, hey, dégueule. Tu peux mettre des coups de bite où tu veux, d'accord? Où je veux, partout, même sur toi? Pas. Déconne pas aussi non plus, quoi, tu vois. D'accord? D'accord. Bon, Jojo, est-ce qu'il peut parler enfin? Bon, vas-y, ouais, lâche ton histoire. Ah, une casserie, ce canard. Allez vous faire reculer, elle m'a suté. Bon. Du coup, bah en gros. Vous pensez vraiment que si on avale du parfum. Dites-vous que eux. Moi je pense c'est que une orga. Ça vraiment. Je pense que. Ça brûle l'estomac et tu saignes de l'estomac. Eux c'est une orga. Arrêtez. C'est pas genre un gang ou quoi. C'est une orga les mecs. S'il vous plaît. Moi je vais essayer. Moi je pense que je vais essayer. Oh Johnny, tu casses les burnes quoi. Tu casses les burnes quoi. Bon bah raconte quoi. Arrêtez. Attends, manque de prospects là. Ouais, bon du coup je disais quoi. En fait l'autre il a été. Ok, c'est bon, ça parle pas. C'est bizarre. Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute, connard. Bah, il est con quoi lui? J'ai pas confiance. Vous me faites perdre des gens comme ça. Tu fais ta timide maintenant. Bon, du coup, l'autre connard, ils ont été missionnés par. Enfin, l'autre connard a été missionné par Sepsaï. C'est quoi ces baskets que t'as toi? Mais arrête de me couper, putain de ta mère! Je me disais pareil, pourquoi tu veux un Air Max? C'est pas très biker, c'est un Air Max. C'est américain et même lui aussi, regarde. Américain. Non, c'est pas américain, je crois que c'est allemand. Johnny, tu déconnes, tu déconnes, tu vas mettre des bottes quoi. Pour la ride, ça passe pas quoi. Tiens, il est cool quoi. Il est cool. Sérieux quoi. Mais non, mes couilles, hein, mes couilles aussi là, Nike là. Non, quoi mes couilles, c'est bon. Ouais. Oh, c'est bon, vous arrêtez de m'emmerder là. Oui, c'est bon, c'est mieux. Là, c'est quoi, tu vois, chantier. Adidas allemand. Et Nike, c'est quoi, c'est Gary du coup? Tu as métal. Ouais. Y'a pas un bail, Nike, Adidas allemand. C'est deux frères. Alors, Conan a été missionné par CFSI, du coup, il m'a proposé 20 000 pour qu'on tue l'autre salope. Mais moi, je lui ai dit. Retire juste le mot. Juste d'accord. Alors, il m'a missionné, il m'a demandé 20 000 pour qu'on tue Mira. Du coup, moi, j'ai dit non. Okay. J'ai dit oui, mais en fait, j'ai dit non. T'as compris, quoi. Donc, on va lui faire croire qu'on. Voilà. Qu'on va la tuer. Tu vas faire genre, tu lui ramènes, on le chope. Voilà. Et on prend ses 20 000. Ouais, on le prend avec son pote, on lui donne une seule chance. C'est, on lui dit, écoute, tu nous ramènes l'autre connard de. De Kaiden. T'as dit quoi? J'étais quoi moi? Mais vous voulez que je les ramène quoi, moi? De quoi les Safeside? Oui. Tu m'as insulté connard là autant. Mais j'ai dit l'autre connard du Safeside. T'es Safeside toi ou t'es qui? Tu parlais de moi, je me suis. Vous voulez que je vous aide? Mais non. Il peut vous aider. Non, t'inquiète. Miguel, on aura une autre mission pour vous les bagosses. Arrête. Je déconne pas, on va avoir une mission. Sar. Très grosse. D'accord. Sar. T'as dit quoi? Sar. C'est quel langage ça? C'est en arabe. Tu l'as? Hey, y'a pas de râle ici où t'as déjà dit quoi? Oui, pardon, c'est parce que je traîne avec des arabes des fois. Bien, oui, j'arrive, pardon, c'est vrai. Je suis en train de m'arabiser, il faut que j'arrête. Donne-moi un peu de porc. Donne-lui une chipolata. Oui, pardon, voilà, donne-moi. Bien américain, je mange. Tu manges? Ouais. Voilà, je mange, pardon, je suis une vagos latino, je suis une vagos latino. Non, non, là, tu. Non, là, nique ta mère, connard. Ça fait parce que c'est que des muses. Ah putain, c'est bon, vous cassez les couilles. Bon du coup, bon, connard. Bref, faut... Est-ce que des arabes qui font les racistes, ça me termine. C'est bon.
Si vous parlez, non, mais ils veulent s'en prendre à main régulièrement. Attends. Oui, mais c'est du fromage. C'est quoi ça? Moi j'ai mangé. Le mec, on prend ses 20 000. S'il nous ramène pas l'autre connard de ses soins, on le bute. Enfin, on fait comme on a toujours marché. D'accord? Quand c'est comme ça et que c'est sans capote, nous, on vient, on attaque pas par la chatte mais par l'anus. Faut pas qu'ils s'y attendent, d'accord? Donc on rentre dans l'art. Bon, j'ai bien compris, Vous voulez des safe sides? Je vais vous en récupérer, moi, tu vas voir des safe sides. Calme-toi, Miguel. Calme-toi, Miguel. Oui. C'est moi. Toi, un mois dire, je bleue le barrio. T'as pas les couilles, Dis pas ça. Non. Attends, ils habitent où déjà? Je sais même plus où ils habitent. Dis-moi où ils habitent. Bronx à côté du Burger Shot. Bronx. Elle va dire c'est les bikers et eux vont venir brûler notre Bronx. À côté du Burger Shot. Non, non, Miguel, non. Miguel, t'as trop de couilles. Non, mais arrête. Mais c'est vrai, t'as pas de couilles. T'as pas de couilles, c'est vrai. T'as rien dans le cassif. T'es con ou quoi? Miguel, t'as pas de couilles si tu le fais. Non. Ah, c'est pas con ça. Choisis bien ta phrase, Miguel, t'as des couilles si tu le fais. Bah oui, j'en ai des couilles. De manière métaphorique. Mais de manière métaphorique. Non, bah de manière pas métaphorique. Ok, si tu le respectes, tu le fais pas. Tu le fais pas, Miguel, d'accord? D'accord, c'est bon, La voix de la sagesse, lui. Voilà, mais Tig, c'est la voix de là. Non, pas toi, lui. Non, non, Tig, c'est la voix de là. De la folie. De la chatte. La chatte, ouais. Allez, check Ezra, check. Check Ezra. Ça va être long, check. Voilà. Je vais me marier avec Sarah. Vous voyez c'est qui Sarah? Ah, c'est celle qui pose des pieds. Celle qui monte son cul que j'ai Oui. Oui, c'est elle, Je vais me marier avec. Tu veux combien de fois? Elle a des pieds dégueulasses. Ben, j'ai Camélia pour le grrr et Sarah pour le waouh. Apparemment pas trop, pardon. J'ai tenté un truc, je sais pas. Qu'est-ce que tu le trouves à Sarah? Bah, Sarah, en gros, hier j'ai fait un speed dating. Hier j'ai fait un speed dating et elle a gagné. Et à la fin, je lui ai dit soit tu prends les 100 000 dollars, soit tu prends mon cœur. Et elle a pris mon cœur. Ouais, pour prendre un million derrière quoi. Genre, elle a pas voulu des 100 000 dollars? Non, elle a refusé. Elle a dit je prends ton cœur. Elle va te baiser sur le long terme, elle. Arrêtez de mentir, c'est pas vrai. C'est pas vrai, elle m'aime que pour mon cœur, pas pour mon argent. Non, non, elle va te baiser. Non, c'est pas vrai. Elle va dire quoi? Elle va dire ça va, Miguel. Elle est sincère, elle est sincère. Tu sais, elle va faire quoi? Elle vise vers Hugo. Non, non, elle est sincère, avec moi, arrêtez. Si, si, non, non, elle est pas sincère. Elle est pas sincère, tu sais pourquoi elle est pas sincère? Parce qu'elle a voulu sucer la bite à mi-couille. Oui, mais c'était avant, avant qu'elle devienne amoureuse de moi. C'était hier. Regarde, je l'appelle, je vais voir. Attends, tu vas voir. Je mets le haut-parleur. Elle va pas te répondre parce qu'elle t'aime pas. Elle est sincère avec moi. Oui. Si elle répond pas, c'est qu'elle t'aime pas. Allo, Sarah, my wife. Si elle te répond, c'est qu'elle t'aime pas. Oui, ça va, mi vida loca. Paye. Ok, t'as rêvé de moi. J'ai vu que tu transpirais pendant la nuit. Je t'ai apporté. Oui, j'ai rêvé de toi. C'est caliente. T'as vu, j'essaie d'apprendre un peu l'espagnol pour toi. Ah oui, c'est vrai, tu apprends l'espagnol pour moi. Merci, une poco. Eh ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est de max. Voilà, je voulais être sûr que tu m'aimais toujours. Toujours, c'est bon? Si, calme-toi. Super, eh ben, on va se marier ce soir et après, on va baiser, ok? Sentiment. Calme-toi, Tig. D'accord. Je te rappelle, je suis avec ma copine. On va se marier avec. D'accord, ça marche. Au revoir, mi vida loca de mi amor. Non, Tig, c'est bon, calme-toi. Pense bien de moi. Pense bien à moi. Oui, d'accord, je pense à toi. Avec une meuf, du coup, il ferme le garage. Oui, promis. Ça, je te tue. D'accord, oui, pareil. Pareil. Bisous, ma vie. Bisous. Au revoir, ma vida. Au revoir. Raccroche. Ah, la raccrocher. Miguel, tu es en train de me dire que t'aimes une autre gonzesse que ma fille, du coup. Ouais, que. T'as dit quoi? Il est très proche. Une autre gonzesse que Camélia. Non, il l'aime pas, Dans la vie de ta mère. Mais c'est parce que Camélia, elle est jamais là et tout, c'est pour ça, ça m'énerve. Moi, j'ai besoin d'avoir une tika qui me manipule. Tu comprends? On est dans le même problème. Tu préfères Camélia aussi, je préfère Camélia ou ça? Gonzesse, tu vois. Je préfère aucune des deux. Non. Je préfère. Il veut les deux, lui. Pareil, voilà, pareil. Je suis passé par-dessus. Mais putain, mais il commence, hein. Viens, on va voir les ouverts. Oui, elle est chez les ouverts, c'est sûr. Viens, on va chez les ouverts. Ça va partir Gégel, en couille. Tu restes derrière, on pardon. Attention, hein. Gégel, tu prends confiance en toi, on a vu. Allez, tu vas chanter. Et c'est Gégel qui sort la bécane. Sur la. La li la la la. Et c'est Gégel qui monte sa bite. La 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 la. Et c'est Gégé qui ralentit. La 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 la. Mais je m'en suis.
sur mon tracker. La la li la la la. Viens fait péter le démarreur. La la li la la la. Mon tracker est pas parti. La la li la la la. Alors je descends du tracker. La la li la la la. Au vieux capot du moteur. La la li la la la. Et je mets de l'eau dans le radiateur. La la li la la la. Et je referme le capot du tracker. La la li la la la. Et je monte sur mon tracteur. La la li la la la. Mais fais péter le démarreur. La la li la la la. Et le tracteur il est parti. La la li la la la. Tout ça pour dire que je suis agriculteur. La la li la la la. Mais y'a pas que ça dans la vie. La la li la la la. Car il y a le sexe aussi. La la li la la la. En Angleterre on baisse par terre. La la li la la la. En Italie on baisse au lit. La la li la la la. Mais y'a pas que ça dans la vie. La la li la la la. Car y'a aussi l'arculade aussi. La la li la la la. Et on baisse, on baisse, on baisse, on baisse. La la li la la la. On adore que la baisse. La la li la la la. Y'a que ça de bon. La la li la la la. Alors on continue à la foutre. La la li la la la. Encore, encore, c'est ce qu'elle me dit. La la li la la. C'est à droite. Mais bordel là, oh. Ouais, là, on continue là. Chez les ouverts, on baisse des mères. La la li la la la. Chez les ouverts, on baisse. Attends. En face. Ils sont incroyables ça. On se garde en face. Gagel, on se garde toujours la voiture, curieux. Enfin le pneu derrière à l'arrière. D'accord. Parce que sinon, Gagel, c'est-à-dire que tu veux te la prendre dans les fesses. Tu vois, okay. Si tu la mets pas comme ça. D'accord. T'as compris, Gagel? J'ai compris. Là, 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 tu risques d'avoir le brisé le cœur. Là, tu vois, tu risques de te briser le cœur. Miguel, calme-toi. Non, tu as dit, sinon ça veut dire qu'on veut pas, mais moi. Non, mais ça veut dire que tu veux. Ça veut dire quoi? Tu veux qu'on rentre dans tes fesses? Miguel, j'ai garé ma moto comme je le souhaite, connard. D'accord. Miguel, confiance en toi. Confiance en moi. D'accord. Confiance en toi. D'accord, confiance. Tu vas aller voir et tu dis où elle est ma gonzesse, Sarah. Où elle est ma gonzesse, Sarah. Où elle est ma gonzesse. Où elle est ma gonzesse. Comme un biker. Et tu cries tout le long du temps comme un biker. Où elle est ma gonzesse. Tu sois énervé, tu te mets des claques. Tout comme un biker. Elle est où ma gonzesse? Ça compte sur toi. Elle est où ma gonzesse? D'accord, il faut bien qu'on t'entende fort. Un biker. Voilà que. Voilà que. Elle est où ma gonzesse? Bonjour. Ah! Allez où ma gonzesse? C'est qui ta gonzesse? Sarah ma gonzesse, Sarah. La dernière fois que je l'ai vue, elle était au magasin de vêtements là-bas. Dame. C'est à 5 minutes. Elle va bien? C'est celui avec qui elle va se marier, elle est très bien. Oui, c'est moi. Énerve-toi! Oui, ouais! Comment ça s'énerve? Bah, il y a vraiment pas besoin de s'énerver, Sarah, elle était au magasin de vêtements il y a 5 minutes. Pourquoi elle me répond plus? Pourquoi? Je sais pas, elle était avec des filles. T'es sûr qu'elle s'est pas fait kidnapper ou un truc comme ça? Bah non, la dernière c'est elle qui était avec elle. Bah non. Quel canard! Elle est en train de se préparer en fait. D'accord. Elle est où, Sarah? Ah, bien fait pour ta gueule, connard. Bon ben. Elle est là, grand gourou, je pense qu'elle se bat, les gars. Je pense qu'elle te trompe, Miguel. Attends, je l'appelle pour toi. Vas-y, appelle-la. Il est là le grand gourou de la tribu ou pas là? Non, appelle pas, on va aller faire un tour directement. Peut-être qu'elle est avec un mec, elle te trompe. Je réitère ma belle, question, est-ce qu'il est là le grand gourou de la tribu? Bah, je sais pas, j'ai ton mari de réponse, devant moi qui a pas de réponse de toi, donc il pourrait être kidnappé, donc tu gangs tout le monde. T'as du gang? Et au quartier? Ouais, pourquoi? Oui, vas-y, viens tout de suite. T'as du gang? C'est quoi ton prénom? Woody Baby. Et bah, ta femme arrive. Ouais, c'est ça. Ok, tu diras à ton. Ça m'arrive. Merci. Ton chef de gang, qu'on aimerait le voir. Ouais. C'est quoi une tribu? Bah, je sais pas, c'est pas. C'est vous qui criez tout ça tout le temps là. Dans la rue, tout ça, ouais, les flics, ouais. Qui mange le mafé là? C'est vous, non? Comment ça, mafé? Qu'est-ce que je me raconte? On déconne, calme-toi. Pour ce qui vient en plus, c'est que c'est un bon. Reste calme, d'accord? On est là pour parler. Ouais, ça va, je sais pas ce qu'il veut. Donc, tu lui diras de me contacter, d'accord? En fait? Ce qui est trop bien, c'est une bande de Renois et d'Arabes qui font les racistes. Tu as compris? Non mais non. Ouais, j'ai compris, chef. Et t'as vu quand tu mets une bande de Renois et d'Arabes en train de faire les racistes, eh ben ils sont encore plus racistes que le prime des racistes que ce qu'ils pourraient faire. Je travaille un peu quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. T'as vu un mec qui est ni blanc ni Renois, qui est ni rebeu ni Renois, tu vois, il va se limiter tout seul, il va se dire ouais c'est pas bien. Mais les mecs qui sont eux-mêmes Robert Renoir, frère, ça part toujours en couille. C'est qui va se marier avec ça? C'est toi, non?
T'as dit tu parles à moi blanche, là. Merde, tu vas te marier avec Sarah toi? Ouais, je vais me marier, ouais. Énerve-toi. On va faire ça toi. Hein. Pourquoi? Énerve-toi. Comment ça? Sarah, c'est pas mariable. Hein. Pourquoi? Ah, moi après, je te dis ça comme ça, tu sais. Non, va au bout. Va au bout de tes idées, va au bout. Frappe ta femme. Non, tu as vu ses pecs? Tu as vu ses pecs ou quoi? Va au bout, dis pourquoi. Regarde ses bras, regarde ses bras. Regarde les bras qu'il a. Pour la frapper. C'est rien, c'est du toc, C'est du toc. La gonflette, ça. Elle est là, Sarah. Elle est là-bas, elle est au fond. Elle est là-bas. Nicole, elle est là. Elle est pas mariable. T'es sûr que c'est du toc, ça? Pourquoi elle est pas mariable? Pourquoi elle est pas mariable? Pourquoi? Parce que Sarah, tu vois, déjà à partir du moment, où elle a un compte qui s'appelle Sarah PRV, déjà tu vois c'est pas mariable déjà. Ah. Qui Tiens, ça s'arrête pas les muscles. Ma bouche te plaît, je sais que t'es fan de moi les dos. Merci. Oh, c'est pas la qui toi? Sa mère, nique sa mère. Tu t'éclates tout de suite ou quoi? Écris vive l'Amérique. Ça va Sarah? Ouais, ça va, ça va. Oui. Alors, toi t'es où? Tu m'as dit 5 minutes, tu répondais pas. J'étais en train de m'habiller, je me suis acheté une petite tenue, t'aimes bien? Oui, oui, ça te va ravir. Ça te va super bien. Merci. Toi aussi, tu es très belle. Deux secondes, il a perdu toute son ambition. Franchement, tu es magnifique. Merci, toi aussi, t'es magnifique, ma vie. Non, toi, tu es encore plus magnifique, sérieux. Ma vie. Chante la musique. Miguel, chante la musique. C'est qui, crâne rasé? Attends, viens, on va parler de toi, mon amour. Oui, on va, oui, tout ce que tu voudras, reine. Mon amour, ma vie. Bon, oui. Faut que je te dise quelque chose. Quoi? Tu vois, en fait, je t'explique. En face de toi, t'as une femme beaucoup trop belle. Beaucoup, beaucoup trop belle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que trop ça, belle. Tu l'as constaté. Oui, c'est vrai, tu es incroyable. Et le problème étant, c'est que de nombreux hommes me veulent. Mais moi, je leur donne pas l'heure parce qu'ils ont pas ton charisme. D'accord. C'est logique. Et du coup, c'est mal à la gorge. Ils deviennent jaloux. Quoi? Et ils deviennent aigris. Et ils veulent juste m'éteindre. D'accord. Du coup, c'est possible que. Johnny, viens voir. Qu'ils mettent leur jalousie dans notre amour. C'est-à-dire? C'est-à-dire que. Qu'ils vont tout faire pour me pourrir la vie. Genre, inventer des fausses rumeurs comme quoi tu me trompes et tout alors que c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Bien sûr, non mais t'inquiète pas, je te crois qu'à toi, je suis pas naïf, hein. Je sais que tu es une femme fidèle. Tu vois, une femme fidèle comme moi, t'en trouveras pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu es incroyable. Même dans ta tombe, je t'attendrai. Merci, merci. En plus, toi, tu es pas là que pour mon argent. C'est ça. D'ailleurs, si t'aurais un peu d'argent pour que je m'achète une robe de mariée. Oui, bien sûr, t'as besoin de combien? Bah, j'ai vu une robe de mariée dans un magasin de luxe, parce que bah, du coup, j'ai des goûts de luxe. On a des goûts de luxe. Oui, c'est vrai, il faut que tu aies ce que tu mérites. Hein. C'est ça. Et aussi, pour le cortège, qu'est-ce que tu penses d'avoir des gros camos? Ah oui, je pense que ça serait une bonne idée. Si tu penses que c'est une bonne idée, bien sûr. Hein. Bien sûr, exactement. Et je pense qu'on devrait aller faire la location. Oui. Enfin, je vais aller faire la location parce que j'ai pas envie que tu te prennes la tête. Oui, tu es une femme indépendante. Exactement. Oui, tu veux combien? J'ai vu que la robe de mariée c'était 15 000. Tu as acheté les meubles? Ouais, j'ai acheté les meubles, mais j'ai besoin de tes gros bras. Ah, j'ai oublié de te dire. Oui. J'ai besoin de tes gros bras pour décharger le camion. D'accord. Écoute, 15 000 ta robe, écoute, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Et quoi d'autre après? Pour les locations, il te faut combien? Je sais pas combien ça coûte, je peux regarder, j'avoue. Genre, tu sais quoi, je te passe 30 000 encore? Ça te suffira? Ouais, je pense que ça suffira, ouais. Ok, je vais te passer 30 000 et après tu fais ce que t'as à faire, d'accord? Ouais, mais tu sais par contre... Tiens mon cœur. Par contre, merci. C'est un homme comme toi qu'il me faut en fait. Mais bien sûr. Un homme, quand je réponds pas, il vient directement me chercher pour me mettre des claques. Tu veux que je te mette une tarte? Pourquoi tu ne répondais pas? Parce que j'étais en train de me faire une petite tenue pour toi. Tu crois qu'on est dans une chronique de... Merde, ma cam, je vais la remettre. Ah non, c'est bon. Tu crois que c'est une chronique de fiction de cité, là? Pourquoi tu veux que je vienne te voir et que je te frappe? Mais j'aime trop les hommes violents. Qui viennent, qui me dressent. D'accord, ouais. D'accord, d'accord. Ben, super. Ben, je continuerai, alors. À venir me chercher quand je te réponds. Oui, mais moi j'aime bien les filles qui répondent. Ouais, mais. Tu veux que je t'insulte ta mère par message et tout? Ouais, j'aime trop ça. D'accord, je vais t'insulter ta mère par message. Pourquoi et tout, il a dit. Ok, c'est bon, j'ai compris quel genre de mec il te faut. Et déjà, tu sors pas dans cette tenue, hein. Tu vas te rhabiller.
Tu vas te changer là. Je me suis habillée comme ça. Oui, mais en, en privé là, pas, pas dehors, hein, pas dehors. Mais justement, regarde le bijou que non, t'as. Non, 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 tu vas te changer et tu arrêtes de te maquiller et tu vas pas voir tes copines. Mais attends, tu sais que je me maquille pas, c'est les meufs complexées qui se maquillent, moi je suis ok, ok, bah, tu vas te changer, tu vas te changer, ok. Ok, je vais me changer. Voilà, pour que c'est moi le homme de la maison. J'aime trop. Oui, moi aussi j'aime trop. Allez, va te changer. Moi, j'aime trop, moi. Tu mets un col roulé, mais qui moule pas tes seins. D'accord. Okay. Et tu mets okay. une froc qui moule pas ton cul. Ok. D'accord. Et tu arrêtes de mettre des chaussures où on voit tes pieds. Morticia, ah ouais, elle ressemble à Morticia. C'est vrai que j'ai des beaux pieds quand même. C'est vrai que t'as vu là, j'ai pris des chaussures fermées. Oui, c'est vrai. Allez, va te changer, dépêche-toi. Quoi, toi voilà. Va te changer. Je suis prête à mourir pour ton odeur. Je suis prête à mourir pour. C'est bon, on va se barrer par là. Ah, tu vois, pourquoi. Aïe. 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 Vert toutou. Touche pas ce bouton, vert toutou. Non, c'est pas moi. Je suis parti me chercher des Smarties. Ah. Waouh! Elle est pas venue. On attend quoi, Vertutu? J'attends que Marie elle arrive. Non, je me spoil pas. C'est pas toi que je voulais appeler. Ça, il y a les feux d'artifice là. Oui. Les mariés, vous êtes invités à descendre. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, monte. L'écoutez pas eux, l'écoute pas eux, s'il vous plaît, Miguel. D'accord. C'est bon, je reviens? Tu m'as manqué là pendant cette fraction de seconde. Oh, tu micro. Quoi, il a quoi au micro? Non, rien, ça va faire rire. Mais... C'est bon? Ça tue les oreilles. Reculez. Rodrigo, allez à côté de la scène. Pourquoi on est ici? Allez. Là, c'est les feux d'artifice, les mecs. Hein. Ah, c'est beau, c'est tout ça pour moi. Putain, vous êtes cons. Waouh, c'est magnifique. Franchement, t'as mis les petits plats dans les grands. C'est pas moi qui ai fait, c'est Marie. Mais t'as engagé quelqu'un. T'as vu la musique? T'entends la musique? Attends, il y a le son, donc j'avais pas la musique. Incroyable. Les mariés, descendez. Bonjour! Bonjour à tous! Ouais. Ouais, je veux le marier, bonjour. Ouais. Bonjour. Je veux le marier. Bonjour à tous! Oui, c'est moi! Oui, bonjour! On n'écoute pas pour toi, Miguel, enfin! Oui! I have voices in my head, they talk to me. Je vais faire strike. Super. Allez, va lui mettre un RKO, allez. Allez, viens. Je vais faire strike, c'est sûr. Je sais pas me battre, moi. Arrêtez les feux d'artifice, pour favor, pitié. Qui est stupide? Hein? Qui est stupide? Oh, la tête. Oui, vous pouvez arrêter les feux d'artifice? Ça va bien, mon homme, s'il te plaît. Ça s'arrête bientôt. Ça s'arrête bientôt, d'accord. Miguel? Oui. Je jure que tu m'abandonneras jamais. Non, jamais. Toi et moi, c'est pour la vie. Même oui. Si tu veux plus de moi, je te poursuivrai. Oui, pour la vie, faut que tu parles fort. Mais j'ai pas besoin de t'entendre déjà. Tout le monde m'entend? Ouais. Ouais. Ok. Nous sommes ici pour réunir Monsieur Miguel Raconté et Sarah. Raconté. Attends la fin des feux d'artifice, pour favor. Mais non, c'est pas raconté ton nom de famille, arrête de te demander. Bah si, c'est mon nom de famille maintenant. Non, Miguel, je vais la frapper pendant ton mariage. Moi. Ton nom de jeune fille, c'est quoi? Ton nom de jeune fille? Bah, je suis née pour être avec toi. Je suis née comme ça, c'est. La vie de ma mère, je veux pas te marier.
OD. Voilà. Par contre, les feux d'artifice, on en a pris beaucoup. Ah, c'est bon, il en reste plus qu'un. Bordel. Miguel, je suis content, Miguel. Wouhou. Nous sommes ici pour marier Monsieur Miguel Raconté et Mademoiselle Sarah Ode. Vous savez, j'ai connu Miguel Raconté quand il était tout petit. Hein? Beaucoup le jugeaient car il n'a pas de zizi. Il n'a pas de testicule. Il n'a rien. Oui, c'est bon, on a compris. Merci. Très fort. Ah, la honte. Charismatique. Charismatique. Beau, grand, avec une barbe sans trou. Beau, grand. Barbe sans trou. Pas chauve. Des belles dreads. Et il sent bon. Ah, tu dis ? Oui. Madame Sarah Ode, qu'on ne connaît pas, inconnue au bataillon, qui a gagné le speed dating d'hier. Sarah Frézou. On la connaît bien. Quelqu'un la connaît ici ? Ah bah tout le monde, hein ? Ouais, tout le monde la connaît. Vous la connaissez comment ? Très bien, même très très bien. Elle a fait le reste du monde. En profondeur. Parce que je suis trop une star, En profondeur. C'est déjà loup, c'est pas grave. Déjà loup pour maigrir. Si quelqu'un a un mot à dire, c'est maintenant ou qu'il ne se taise à jamais. J'ai un truc à dire. Oui. Miguel. Oui, Titigs. Miguel. Oui, Titigs. Miguel. Oui, Titigs. Monte, Tig. Tiens. Tiens, le micro. Oui. Tiens, parle. Vous m'entendez? Oui. Les publics, vous m'entendez? Oui. Aujourd'hui, c'est le mariage de... Regarde, il va lui faire un DDT. Attends, regarde le DDT. Troisième corde. Ah non, merde. Tu veux les faire ça? Ok, pardon. Oui, tu veux les faire ça? Check. Il a chopé la troisième corde. Check. J'ai trois, ma vie, trois. Randy Orton est une légende. Vraiment, le meilleur cachot de tous les temps, si on me demande. Non, c'est Rey Mysterio. Non, mais Rey Mysterio ne lui arrive pas la cheville. Pas la cheville. Pas la cheville. Batista rigole. Il rigole de honte. De honte. Undertaker. Bref. Du coup, je remerciais Vertigo de marier et d'avoir fondé un petit Mexicain qui s'appelle aujourd'hui Miguel Raconté. Et peut-être un jour changera son nom. Mais bon, le destin nous le dira. Sachez que c'est un mariage de légitime. Donc voilà, c'est à prendre à cœur. C'est ça légitime. C'est magnifique ce qui va se passer. Et Miguel, moi je te souhaite juste un truc en tant que gendre. Bonne baise. Voilà. Ouais, pour ça, donc, genre, voilà. C'est pas ta fille là. Non, elle, c'est pas ma fille, mais. Waouh. Voilà que. Je te redonne le micro, Vertigo. Ok, grâce. Il va lui mettre. Quelqu'un d'autre a un mot à dire ? Il va lui mettre une patate dans la tête. Oui, j'ai un mot à dire. Allez, venez, montez. Bon, allez, tous les jaloux là, commencez à parler, c'est maintenant ou jamais. Elle a refait son bronze. Ah non, mais t'es marié au bon débarras. Hein. Allez-y, seigneur. Bonjour à tous, vous êtes sur une propriété privée, tout ce bâtiment est à moi, j'aimerais bien que vous partez tous de ma propriété privée parce que vous n'avez aucune autorisation. Laisse-nous profiter. Tu vas faire quoi? Je vais appeler la police si vous partez pas. D'accord, appelle la police. Appelle même ta mère, connard. T'as pas quoi de la mariée? Elle est bien dégueulasse. Quelqu'un d'autre a quelqu'un à dire ? Il a dit les termes. Quelqu'un a quelque chose à dire ? Vous avez rien à dire sur mon mariage ? Okay. Allez-y, défoulez-vous, parce que je vois que vous avez de la haine en vous, là. Bah, marie-toi, mec. Ouais, je dis juste pour ça, toi, hein. Assure pas mariable. Il y a 20 minutes, elle voulait se marier avec Issa. Il est ouvert. C'est vrai ? Oui. C'est vrai, là, ça. Viens, monte pas tout seul, viens, monte. C'est mon oncle. Avec Murda de GS9 aussi. Non, c'est pas son oncle. Ouais, parce que je suis omnibulé par le match en fait. C'est mon cousin, c'est mon cousin. Je suis trois fois dans le match. Ouais, monte, viens. Ça me casse les couilles. Comment tu t'appelles, toi? Ah, moi? Ouais. Je m'appelle C'était la sévère, toutou. Je m'appelle Skittles. Bégaye pas, bonjour, Skittles. Bonjour, Skittles. Bonjour. Vas-y, allez, parle. Eh bien, il y a 10 minutes, elle demandait à Issa d'enlever son t-shirt devant lui et de lui montrer ses abdominaux. Je savais qu'elle était... C'est mon oncle, c'est mon oncle. Il a eu une blessure, non, c'est pas son oncle. Je voulais savoir s'il allait c'est bien. C'est pas ton oncle, c'est pas ton oncle. Si, c'est mon oncle, c'est Issa Ode, C'est faux. Oh là là, il est mort. Elle voulait se marier aussi avec Murda, Elle voulait se marier avec Murda. Elle aime les hommes violents, elle a dit.
C'est mon cousin. Même avec c'est mon cousin, ouais. Ah, c'est tous tes cousins. Au moins, je serais toi, j'y réfléchirais deux fois, man. J'ai une grande famille, oui. Je vais t'expliquer. Hier, on était au magasin de vêtements, Miguel, et elle a vu un mec, elle a dit « Oh, ma vie ». Ça va, ma vie. Même moi, j'ai 17 ans, elle a essayé de me guédra il y a pas longtemps. C'est vrai, Sarah? Ah, tu vois, c'est pour la ça que je voulais faire un mariage à huis clos, parce que attendez, les jaloux, ils veulent trop m'éteindre. Excusez-moi, je suis obligé d'intervenir. Oui, toi aussi, elle t'a su ça. Non, c'est faux, justement. Je la connais depuis extrêmement longtemps. Il y a plein de mecs qui sont sur elle, mais elle a toujours dit non. T'as vu, voilà, c'est une meuf attentionnée. Elle donne de la nourriture au quartier. C'est grave une bavonne. L'évolution. Regardez, c'est l'évolution. Elle envoie des photos de ses gâteaux à Camélio. Elle est gentille. Elle vend des photos de ses pieds aussi. T'as entendu, Miguel? Non, parce que je suis très tard. Je peux faire la nourriture. L'autorité, pardon. Les gâteaux. Ramel, il s'est passé quoi hier au magasin de vêtements? Bah disons que c'était du pur irrespect, hein, t'as vu c'était très... Comment c'est fini l'histoire? J'ai fini quoi? Ouais, ça finit ensemble, je peux pas te mentir. Hein. Non mais la personne qui était là-bas, c'était mon meilleur ami et il est intéressé son par les hommes. Son meilleur ami, son meilleur cousin, c'est une menteuse. Ah, okay. En plus, je me rappelle plus de ce match, bordel. Non, oh, punt kick. Il est intéressé par les hommes. Il va lui mettre un coup de pied. Si tu veux, je te le présente. Mais je vais le présenter à Skittle, vu qu'il m'a dit qu'il aimait les hommes. Ah, ça. Ça, c'est direction l'hôpital, ça. Je t'en mets pas de ça. Tu m'as poussé. Ouh, je vais t'éteindre ton panari au pied, là. Si t'as plus rien à dire, tu peux descendre du ring, s'il te plaît. Mais ferme tes morts, ta dentition est caillée là, qu'est-ce qui t'arrive? Pourtant, t'as voulu une galoche tout à l'heure, ma dentition est éclatée. Oublie pas, je dis au effort, et sauf que je lui ai dit, désolé, je vais me marier. Pardon, j'écoutais rien, je regardais le match. Non, mais dis pas que tu écoutais rien pour de vrai. J'étais vraiment à fond dans le match. Randy Orton, okay. Il a mis un punt kick à la fin. Okay. Bon, marie-toi, reprenez le mariage, les mariages. Reprenons. Non, non, bon, maintenant, j'ai un truc à dire, moi. Moi, avant le mariage, je suis obligé de dire un truc. Miguel. Oui. Je suis fier de t'annoncer. Tu es la plus grosse pétasse de Liberty City à tes côtés. C'est bien dit ça. Vraiment, hier j'ai vu et j'ai compris. Après, t'es mon petit frère, tu fais comme tu veux. Mais sache que quand t'es pas là, ben, elle donne son cul un peu à tout le monde. C'est pas vrai. Déjà tu mens parce qu'il faut rétablir les choses dans leur contexte. Tu m'as demandé mon numéro, je t'ai dit désolé, je vais sortir avec ton frère. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, je suis sûr, ouais. Je t'ai dit que mon numéro n'était pas disponible pour toi. Je pouvais pas te le donner. Radamel! Ah, c'est bon. Mais Armano, je sais pas, je suis perdu. Quand je la frappe, je dis oh oui, continue. S'il vous plaît, monsieur. Miguel, faut que tu m'écoutes. Écoute pas les jaloux. Ils sont jaloux parce que je leur ai pas donné l'heure, que je leur ai pas donné mon numéro, que je les ai jamais donné. Je peux pas me marier avec eux. Tu as passé 30 000 dollars. 60 000 dollars. Regarde, même pas une robe de mariée. Elle te respecte même pas. Mais j'ai acheté une robe Jacquemus. C'est plus de chic que toi et toute ta famille réunie. S'il te plaît, Vertugo, respecte-moi. T'as dit quoi, ma famille? Vas-y, descends, Miguel. Il y a un match de catch là. Comment ça, ma famille? Mariage ou pas mariage, moi je te démarre, tiens ta mère! Tu as défiguré mon beau visage, s'il te plaît, laisse-moi tranquille! Excuse-toi! S'il vous plaît, attendez. Par favor, j'aimerais appeler deux personnes qui sont. Remettez le combat de catch, ils s'en battent les couilles là! Comme des figures paternelles pour moi! Est-ce que Lorio et Titix, vous pouvez monter dans le ring, s'il vous plaît? Mes lunettes, oh, elles font bien. Tig, j'ai besoin de votre avis. Est-ce que je me marie avec cette pétasse ou est-ce que je me marie pas avec cette pétasse? Je vais te donner un avis sincère. Oui. Je mérite mieux que ça. Mais tu dis ça. Mais il y a aucune chica qui veut de mon cœur. Personne. Non. Il y a aucune chica qui te mérite de toute façon. Ne cherche pas. Elles vont venir à toi. Va là-bas. Attirée par autre chose que ton cœur. Okay. C'est pas vrai. Elle aime que mon cœur. J'ai pas pris les sous. Je lui ai donné que 60 000 dollars et c'était de mon envie à moi. Elle a même pas une robe de mariée. Gégel, regarde-moi dans les yeux. Oui. Moi, je te dis toujours la vérité, moi, c'est Titig. Oui, c'est vrai. Oui, Titig. Et cette gonzesse-là, elle va te donner tes meilleures baises. Titig, s'il te plaît, je t'arrange un coup. Elle va te donner tes meilleures. Ça bat les couilles de la baise. Elle est pour toi. Je pense qu'elle est pour toi. Elle a mis du violet parce que le violet et le vert mélangé, ça fait du jaune. Ça fait que.
Il a baisé ta fille, ça suffit. Oh, Marie, là, je pense que la vie de ta famille là, compte plus que tout le truc. Ok, ok, on va faire un truc. Je vais dire, est-ce que je la marie ou est-ce que je la marie pas? Et ce qui fait le plus de bruit, eh ben il gagnera, ok? Mais ils vont tous... C'est quoi? Ceux qui veulent que je la marie, faites du bruit. D'accord. Du calme. Ok, ceux qui veulent que je la marie pas, faites du bruit. Un biker, ça va toujours à l'encontre de ce que les gens veulent. D'accord. Je te laisse faire ton choix. Ceux qui veulent que je me marie avec Ace, faites du bruit. D'accord. En vrai, je préfère mieux, oui. La vie de ma mère, je préfère mieux Ace. Ok. On continue le mariage. On continue le mariage. Ok. Je suis fier de Miguel. Je suis fier. T'inquiète pas, Titix, mon frère. C'est un projet. Tu m'écoutes pas, moi. C'est la femme de ma vie. Continue le mariage. Sarah Odé, oui. Veux-tu prendre Monsieur Miguel Raconté en mariage pour le meilleur et pour le pire? Ouais, je veux. Dis le plus fort, mon cœur. Je l'ai dit plus fort, je veux. Les jaloux, vous ne mourrez pas, les jaloux, vous ne mourrez pas. Je m'y oppose. Ah, y a quelqu'un qui s'y oppose. Pourquoi il s'y oppose encore? Moi, je m'y oppose. La première fois, toute je vois autant d'opposition dans un mariage. Toute la vie, chacun s'oppose. Non. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord, toi, encore? Mais toi, t'es un grand chez moi, t'as vu? Mais pas du tout. Merde, on sort les messages. Regardez les messages. Non, mais y'a pas de messages. Alors, envoie des photos de ses pieds. Regardez. Vas-y, laisse leur faire leur mariage. Vas-y, c'est moi qui gère le mariage. C'est pour son bien, t'as vu, c'est pour son bien. Prends le jaloux prince, c'est l'heure. T'inquiète pas, c'est pour son bien. Oui. Miguel. Oui, je t'écoute. T'as vu, Lorio, Tic, tout. Mais moi, c'est moi. Allez, accélère, je vais me marier avec elle, c'est la fin de ma vie. Va te faire enculer, hein, ok? Je vais la baiser ce soir, juste pour d'accord, ça. Monsieur Miguel Raconté. Oui, c'est moi. Voudrais-tu prendre mademoiselle Sarah Odé en mariage? Miguel, réfléchis bien, Miguel. Réponds vite. Miguel, elle ne sera jamais acceptée au cœur. Je vais donner les points forts et les points faibles. Elle a un gros pétard. Elle a des beaux pieds. Elle a des gros seins. C'est difficile. Des beaux cheveux aussi. Oui, elle a des beaux cheveux aussi. Elle est charmante. T'as préparé une gamelle aussi tout à l'heure, oublie pas. Elle a préparé une gamelle de tacos, c'est vrai. Mais. Et c'était Robas, c'était. Mais non, il est vrai que c'est quand même une des plus belles pétasses de cette ville, c'est vrai. Et on aime ça. Je l'admets. Mais est-ce que c'est quelque chose qui me dérange? C'est ça la question. Toute la question réside là-dessus. Je te jure, c'est parce que tu crois que je suis pas une pétasse. Le gangster de cette ville. Tu peux pas avoir une meuf comme ça. Miguel, tu vas pas se faire baiser quand tu vas dormir. Imagine tes ennemis baissent. Mais ramène-moi un seul avec qui pourrait dire ça, j'ai baisé Sarah. Ramène-moi-en juste un seul, un demi même. Oui, c'est vrai, ramène une demi personne qui a baisé Sarah. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a baisé Sarah? Personne n'a baisé Sarah. Voilà, parce que des rumeurs, vous répondez des rumeurs parce que je vous donne pas l'heure. Bien. Je vais péter une câble, qui a fait ça? Qui a fait ça, bordel? Attends, merde, voyez pas la danse. Bon, c'est bon. J'ai bien réfléchi. Je vais pas écouter les jaloux. Allez tous vous faire enculer. Taisez-vous. Fermez-la. Allez tous vous faire enculer. Vous, les jaloux. Je vous baise. Mesdames et messieurs, je ne me marie pas avec cette connasse. Tu me fais mal. FC Homme 1, FC Femme 0.
Hey, les jaloux, vous avez gagné cette manche, mais vous gagnerez pas le reste, je vous assure. L'Obsa. Personne te veut, dégage. Va faire le reste du monde. C'est pour ça que tu m'as appelé hier. Eh oui. Dans vos dents, les FC femmes. C'est pour tous les cœurs brisés masculins, c'est pour vous les frères. Aïe. Très bien, merci. Merci Lorio, merci. Puta madre, dégage de là, souris, on dégage. Bien, c'est bien, mais voilà, bien t'as. Merci Radamel, merci Radamel. Ah mais attends, attends, tu me. Elle vend des photos de ses pieds. Mais attends, sérieux, t'as dit non? Oui, j'ai dit non, Marie. Mais pourquoi? Parce que c'était trop une connasse. Aïe. Merde, attends. On va où? Je te vois même pas. Là, viens. Je suis là. Oh putain. J'ai entendu des sirènes de Poyos. Y'a des poulets? J'ai entendu des sirènes de Poyos, non? Non. Rada! Y'a quoi, y'a quoi? Merci à tous d'être venus, j'espère que vous avez aimé mon mariage! Il est trop fort, regarde! On est combien là? Il est trop! Quoi? Quoi? Bien sûr, mais bien sûr! Il est qui est trop fort? Qui est trop fort? Qui est trop fort? Qui? Randy Orton, Miguel, t'inquiète. Ah, vous aussi, vous avez eu un problème? Ouais, ouais, ah, merci beaucoup, j'ai Sarah! Il est trop fort! Il est vraiment trop fort! Il est bon, il est bon! C'est la seule qui l'accepte! Si, si jamais il y a des autres femmes qui veulent se marier avec moi, mon numéro c'est le 3131! Accepte de me pardonner de t'avoir tapé, s'il te plaît! D'accord? Ah. Bon, maintenant que les choses sérieuses commencent! Apparemment! On va te mettre les gants là! Ouais, viens, on va se changer, cette tenue de merde là! Je répète, s'il y a des femmes qui veulent se marier avec moi, mon numéro c'est le 3131. Bien, vas-y, vas-y. Ouais, demain, ouais. Super. Tu trouveras jamais une femme aussi belle que moi. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'on allait un peu vite, Sarah. Mais c'est pas grave, on est destinés toi et moi, il faut régler les choses vite, rapidement. Oui, ramène les meubles. Je ramènerai les meubles, oui, mais tu sais, je vais te dire un truc. Oui. Tu peux changer de numéro, tu peux changer, déménager, disparaître, je te retrouverai toujours, toi et moi, on est liés à vie. D'accord. T'as bien, mets-toi bien ça dans le crâne. Je le mets dans mon crâne. Tu peux avoir dit non, avoir dit non, tu sais quoi? J'aime trop les mecs qui me font galérer. C'est un mal pour un grand. Les gars, je suis un clown. Oui, ça me fait rire. Moi, je vais ramer jusqu'à... Tu comprennes que c'est moi la femme de ta vie. D'accord. D'accord. Désolé, Sarah. Tu es réfléchis bien. Tu es une bonne personne. Mais... Non, mais réfléchis bien, réfléchis bien. Je réfléchis bien. Oui, 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 oui. Et tu sais où c'est là, non. Mon numéro, c'est le 3131, si voulez-vous marier. Montez sur vos bécanes, les gars, allez. Subis le combat. Allez, conduis, Miguel. Attends, je monte avec les bécanes. Miguel. Oui. Je te parle plus, t'es pas mon cas. Je suis pardonne, je suis pardonne. Tu vas te faire pardon. Oui. Alors il va falloir que tu trouves un plan. Je voulais pas me marier avec elle, je pouvais pas. Oui bah alors faut que tu trouves un plan pour que Pignata j'arrive à la draguer. Je le garde avec moi. C'est la chauve. Ouais c'est la chauve. D'accord. Et elle était meilleure pote avec Sarah. Merde. Et va te faire foutre connard. Pourquoi elle est par terre? Tu veux Pignata? Eh ça va. Toi tu es sombre et ténébreux hein. Ouais bah tu touches pas mon cul ni mes hanches, merci. Je serre fort tes hanches. Ouais ouais bah tu te tiens ce que tu veux sauf à mon cul ni okay. À mes hanches. Ok, je passe mes mains autour de ton ventre. Putain quoi? Non on fait pas ça, non non, non. J'ai peur en moto, j'ai peur. Ouais t'inquiète, t'es un meilleur bagueux du club. Ok là je serre fort ton estomac. Non arrête putain, je vais gerber ma bière. Mes mains elles sentent petit à petit. Oh les derniers. Je rigole, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Personne ne doit nous suivre. Ok, c'est bon, tout le monde est là. L'organiser un truc avec eux. J'en ai marre, je suis destiné à être. Célibataire un peu, tu vois. Célibataire. Ah, oui, célibataire. Les mauvais choix aussi. Oui, c'est vrai. Elle me paraissait bien. Et pourquoi je suis bien pas gay, Miguel? Bah, je crois que c'est ce que je vais faire. Bon, y'a rien de mal à être curieux en fait. C'est bien aussi, hein. Ah putain, arrête de me rentrer dedans avant que je te couche. Bon allez, au revoir. Aïe.
Au revoir. Miguel, j'arrive au quartier. Ok, j'arrive aussi vers tout. Ok. Je vais finir avec Ace, les mecs. C'est mon destin. C'est sûr. Allô. Vas-y, viens. Eh, hey, faut qu'on s'occupe des... Vas-y, viens, on va tabasser les Ronin. Après, on va faire la mission des Hoover. Quelle mission des Hoover? Ah, viens, viens, viens. Elles sont nos voitures, ouais, mais... d'ailleurs. Elles sont toutes nos voitures. Ah, merde. Voiture, on a Paris. Allez, on détruit la voiture, d'accord? Oui. Oh, y'a plus de voiture. Allô, la voiture, oh, Miguel. Oui. Alors, venez, 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 venez au car... Tout le monde là? Eh, on est... Ok, Maxime. Marie. Marie. Oui. Tu vas prendre ta petite moto et tu vas aller au quartier des Hoover et tu m'envoies un message quand ils sont là et quand ils sont pas là, d'accord? Attends, tu veux... Oui, ah ouais. C'est ma petite nièce. Donneuse de goût depuis plus jeune âge. C'est... Ah, t'as vu Central Park? T'as vu? C'est là où on était tout à l'heure, avec les bikers, là. Ah non, c'est pas là. Ouais. Même il y a un parc, il y a... Ouais. Il y a un trampoline et tout, je sais plus. Ok. Là, on va faire un truc, les gars. On va aller au Rollins. Le Rollins, hier, avec qui je me suis embrouillé par rapport à Sarah, ils sont venus, ils ont commencé à manquer de respect, ils ont fait les beaux. On va aller chez eux avec des battes de baseball, on va tous les enculer. Ok, jusqu'à là? Ça te va, Rado? Calme. Moi, je en vrai, je pense qu'il faudra faire plus mal, là. Fait vraiment. Non, quoi, tu vas aller, on leur tige dessus? Non, pas forcément, mais on. Non, juste on faire en... mal. Oh, on en prend un, vraiment. On en prend un et il faut leur ouais, faire mais, mal. Mais faut le trouver, le 1. Alors qu'on a... En fait, tu vois, battre de baseball, ils vont comprendre 2 secondes et après, c'est bon. Eh ben, regarde, si on en trouve un, on en prend un. Si on n'en trouve pas un, ben on... Vas-y, ils se ressemblent tous ici, ces fils voilà, de pute, là. Ça me fout la haine, c'est... Vas-y. Faudrait mettre des codes couleurs sur chaque personne. Ouais. Bref, bref. Donc... Ouais. Il est ouvert, ouais. on va trouver des camions, tu vois, avec des trucs d'insectes ou de lumière. Et on va se faire passer pour des électriciens, on rentre. Et quand ils sont pas beaucoup... On sort discrètement nos pétards, on en prend un ou deux et on se casse. Lumière, c'est bien, tu coupes l'électricité comme t'as dit. Hein. Ouais. C'est bon pour tout le monde. Quoi, on fait quoi? Incroyable, ça. Rolling, je vais faire le même mariage, Irène. Je sais pas, moi je suis pas pressé, c'est vous. Est-ce que vous voulez. Y'a qui voulait faire quoi en premier? On a rien prévu. C'est fou, t'as quelque chose de prévu? T'as une horaire? Non, rien. Mur, toi, non, non, même pas. Ok, donc on fait les deux. Gaze. On commence par quoi? Bah, Rollins, comme ça, après on se concentre bien sur la mission. Je crois qu'elle va se suicider. Mais on s'en bat les couilles, elle ment. C'est une menteuse. T'as vu dans le jargon Non, il n'y a pas de jargon ici. Là, elle veut attirer ton attention juste pour que tu te maries avec elle. Donc, on va pas lui donner notre attention. On t'as vu, elle a vu que t'étais un mec plein de. Oui, c'est bon, là, on a fait plein de trucs gentils. Maintenant, on va faire des trucs de méchants. Exactement, des trucs comme. Voilà, c'est bon. Se passe quoi là? Bonjour. Tu me vois ce qui se passe? Je voulais te présenter mes excuses. Présenter mes excuses pour quoi? Tes excuses pour quoi, du moins? Pour toutes les merdes que je t'ai fait. D'accord, c'est excuse acceptée. Dis-moi tout. C'est vrai? C'est pour ça que t'es venu, Maïji. C'est tout, j'ai rien d'autre à te demander. Y'a pas de chute. Demander. Ok, bah c'est carré. Comment tu t'appelles déjà? C'est Raiden. Raiden. C'est vrai, on est vraiment. Ça y est, on est amis? Amis, c'est un très 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 grand mot. T'as vu, c'est un très grand mot. Mais vas-y, t'as vu, je te vois dans la rue, je vais pas pouvoir te tirer dessus. C'est déjà ça. Merci. C'est bon, tout se passe bien. Oui. Pourquoi t'as dit non, la petite Sarah là, j'ai pas capté. Parce que c'est une pétasse. Tu t'en es pas rendu compte avant, Maïji? Je croyais que c'en était pas une. Toi, tu le savais? C'est une meuf de mon quartier, et normal que je le sais. Que c'était. Pourquoi toutes les meufs de ton quartier, c'est des pétasses? Bah toutes. Mais voilà, Sarah, on la connaît bien. C'est une meuf qu'on aime bien, mais voilà, elle aime bien draguer. D'accord, je vois. Je vois. Eh ben en tout cas, ça me fait plaisir qu'on soit revenu sur des bonnes bases. Tu veux qu'on aille faire du karting? C'est gentil de la proposition, mais j'ai des petits bails à faire, je te mens pas. Tu vas faire quoi? Une prochaine fois. J'ai des petits bails un petit peu à gauche. T'as besoin d'aide? Pour le moment, pas encore. Mais si besoin, j'ai ton numéro, Miguel, t'inquiète pas. D'accord. Ben, super, ben au revoir. Vas-y, force. Tu as vu ma moto de Poyos? Une moto de Poyos? Oui. C'est bien, Miguel. Tu veux la voir? Non, t'inquiète, je crois que je l'ai déjà vu. T'es déjà venu avec moi sur mon. Attends, je la ramène. Non, pas besoin.
J'ai trouvé une ouverture, je crois pas que ça soit grillé en fait. Tu fais quoi, cousin? Casse-toi du quartier. Pourquoi t'as ça? Non, laisse-le, laisse-le, attends. Aya. Ah, c'est une moto de Poyos. Tu vas bien? Oui, laisse-moi. Non, non, il a ouais, ça y est, je me suis excusé. Tu es numéro 2, toi? Je sais pas, il est venu. Il n'y a pas de numéro 2, cousin. T'as vu, t'es dans mon quartier là. Juste va là-bas, t'as vu? Non. Attends, Raiden, il a dit oui pour ça? Comme ça, non. Non? De quoi, oui, pourquoi? Que je te mêle ou quoi? Tu vas rien faire. Moi, je vais rien faire. Et viens, on sort du quartier, on fait une tête vraie tête, toi et moi. Ouais, j'ai pas de temps à faire, t'as ah, vu? Ah, t'as pas de temps à... Aïe! Arrête, arrête de faire le fou! Arrête de mettre des gifs, connard! Bien fait pour ta gueule! Raté encore, trou de balle! Viens, viens ta mère! Aïe! Reste au sol! Aïe, arrête! Kendall, fais pas n'importe quoi, Steph! Qui est monté? Police. Toi, tu me frappes par derrière. Voilà, je... Elle est deux là, reprenez. Ramène la putain. Oh, il fait quoi, tu fais quoi ici, lui? Yo, tu fais quoi ici? Ouais, Gualmi là. Yo, casse-toi. Casse-toi chez nous, ça va te canner là, trou du cul. Allez vous faire enculer, je vous baisse, connard. Aïe, mais t'es sérieux, toi? Nique sa mère, aïe. Qu'est-ce que tu fais, ce bâtard? Allez vous faire enculer, hein. Toi, va te faire enculer. Attends, viens faire un vrai... Viens faire un vrai test, viens faire un vrai test. Non, viens en tête avec la... Bon, regarde, regarde, tu veux faire... Tu veux faire la bagarre avec moi? Yo, toi, tu veux faire la garde. Toi, reste en dehors de ça, tu es même pas un ouvert. Toi, tu es un ouvert, toi. Mais je suis pas un ouvert, je te baisse ta mère. Aïe. Mais tiens, ça va. Mais arrête de courir, tu sale tricheur de merde. Attends, attends. C'est la street ici, c'est la street, sale merde. Bon, ah oui, c'est la street. C'est la street, attends. Vas-y. Non, c'est bon, sans pas en bêta. Sans pas en bêta. C'est la street. Hein, c'est la street. C'est la street, sale connard. Ah, c'est la street, hein. C'est la street. Regarde, derrière toi, de braque. Ah, Gage des. Gage des. C'est bon. Tu t'es trompé depuis, je t'ai trompé. Viens, viens. Ah, arrête. Arrête. Merde, va. Arrête. Oh, c'est bon, arrête ça, trou. Ok, pardon. Toi, tu es même pas ouvert, pourquoi tu les suces comme non, ça? Non, je suis pas ouvert. Mais Skittles, c'est mon duo, ma gueule, on est duo, Dragon. Mais j'ai pas de problème avec Skittles, moi. Je sais pas, je t'ai vu chez moi, t'as rien à faire chez moi, je te trompe. Tu m'as pris en tâche haut. C'était où de guet-apens? C'était où de guet-apens, trou de balle? Eh oui. On est pas des ouverts, bande de cons, c'est la mauvaise pioche. Viens ici! Viens ici, je tire! 1, 2, je tire! À 3, je tire! 1, 2, Reviens là-bas! Reviens! Toi, t'es une ouverte, toi? Allez, viens! Cours là-bas! Non, je suis pas une ouverte, moi! Bah, les couilles, balle! Arrête de mentir! D'où tu viens, va là-bas! Ok, restez là-bas! Les hermanos! Ouais! J'ai un petit problème, j'ai frappé un peu trop fort votre ami! Frapper qui toi encore? Yo, voilà. En gros, on faisait la bagarre. Là, regarde. Moi, c'est Draken. Oh, c'était où de guet-apens? Non, parle pas la fille. Parle pas. Je dis parle pas. Non, c'est bon, calme. Calme. Dans la ruelle, je vais aller la sauver. C'est bon. Voilà, super, c'est bien, allez. C'est bien. Vite, faut partir, ils arrivent. Partez. Faut vite. Le pull Céline et le pull blanc là. Venez. Vas-y, pull blanc là. Vas-y, pull blanc. Pull blanc et le haut Céline là. Montez dans la côte jeune. Allez, on grimpe. On grimpe. Pardon, c'était une guet-apens, c'était pas vrai. Mes excuses, elles étaient pas sincères. Mes excuses, elles étaient pas sincères. Il y a quelqu'un dans le coffre. Y'a qui dans le coffre? Marie. Dis-leur qu'ils fassent pas les héros. Ouais, tranquille, vas-y, t'inquiète. Ok, merde, comment tu t'appelles? Toi là. Va chercher ma bécane de poyos. Va chercher ma bécane de poyos. Mais je suis un Uber, moi.
Dépêche-toi. Attends, tu prends qui? Je prends personne, je veux juste partir avec ma moto. Ils ont pris Raiden, cousin. Ils ont pris Raiden. Ok, on part. Partez sans moi, partez, je vais me débrouiller. Partez, je vais me débrouiller. T'inquiète. Non, vas-y. Il y a pas moto. Allô, ta moto. T'as vu, Vertu Hugo? T'inquiète, tu verras. Allez, fermez-la, vous. Personne vous a dit d'ouvrir la bouche. Vas-y, ferme ma bouche, Maïdji. Vas-y, va, monte, Miguel. Pardonne, Raiden, mes excuses, elles étaient pas sincères. C'était juste pour. C'était juste pour t'apitoyer, c'est bon. Raiden, tu me fais la gueule? Vas-y, va prendre. Raiden! Allez, vas-y, Miguel. Les sandales. Les sandales. Tu avais les clés sur le compteur. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai demandé à toi. Recule. Allez, roule! Au revoir les trous du cul! Là, il y a vraiment zéro de quoi pleurer. Je ne sais pas dans quel sens vous pouvez pleurer là, les mecs là. Genre c'était trop marrant, trop carré, je pense que personne n'a mal pris. Radamel, il a dit lève. Ah ouais? mais lui c'est trop un en rien ce Radamel frère. Je sais pas, j'ai vu des trucs dans le chat, je me suis dit Bélec. Radamel il dit lève, mais il a pas une mentale de gunfighter, c'est juste que c'est un en rien celui. On en a perdu un, mais je sais pas c'est qui. Ah, on en a perdu deux. On en a perdu deux. Ouais, t'inquiète, ils sont là. Vous êtes descendu? Oh, on en a deux. Vas-y, mettez-vous en face de moi là. Bonjour. Dans les bennes là. Oui. Les autres vont arriver là. Raiden, tu me fais la gueule. Ah, vas-y, avance. Tu me fais la gueule, Raiden. Ah. Tu me penses sincère quand je dis pardon ou pas? Comment je peux faire confiance à un latino, dis-moi tout. Oh, mais tu es raciste de fou, sérieux, mais ça va pas ou quoi? Alors qu'il a une sœur à lui, je sais pas, c'est une latina en plus, putain. J'ai pas confiance. Ah bon, latino, j'ai pas confiance. Les latinas, je les baise, Maïdji. Ah, ça me choque pas venant des mecs du ciel, de toute façon. T'as vu, sans valeur, ils laissent les pouces rentrer chez eux. Pas étonnant, de toute façon. Toutes des petites putes, de toute façon. Je suis bloqué dans le conteneur! Vas-y. C'est bon, il te débloque, attends. Je prends ma main. Merci. Vas-y, le V, il chie là, il va arriver. Savoir c'est par rapport à quoi? Allez voir, t'as vu, t'inquiète, t'as vu, les gens ils aiment toi. On va te toire, voilà la vérité, c'est ça la vérité. C'est la fin des Hoover. C'est la fin des Hoover. Miguel raconté va te mettre une balle dans le tête. Dans le tête, ok. Oui. Ne dis pas que tu fais tout ça pour l'autre pute de Sarah. Mais non, rien à voir, mais tu es sérieux quoi? Comment tu t'appelles toi? J'espère, Issa. Issa, mais tu es sérieux quoi? Rien à voir. On sait jamais. Non, je suis pas ce genre de homme. Tant mieux alors. Ah, dommage, tu as pas un gilet pare-balles de tête. Ok, c'est dans la tête que je vais viser. Banks. Toi, tu es 50 Cent, c'est ça? Exactement. T'as vu, je suis pas sûr qu'il va survivre lui. Je sais pas comment tirer. Il doit avoir une grosse barbe. T'as vu, ça arrête pas les balles, les barbes. T'as raison, frère. Franchement, Raiden, j'aurais aimé que tu que je te dise pardon et qu'après. Ah, c'est bon, il y a Vertigo, je ferme mon gueule. Bon. Et mes excuses, elles sont toujours valables, hein, si jamais tu les acceptes, Raiden, si jamais. C'est bon, Miguel. D'accord. Bon. Dis-moi ton Vertigo. Alors, si je suis ici, c'est pour un petit truc que vous avez pris il y a un petit moment et que je viens les récupérer. Hein? On m'a parlé de certains Pen C4 et de la Plata. 4 ou 5 Pen C4.
Moi, on m'a appelé, on m'a dit faut que tu ailles me les récupérer. Ça ? Oui, mère. Donc, t'as le choix. Soit tu me ramènes les PS4 et les 100 000 $, ou soit tu meurs. Je te donne le choix. Des PS4 ? T'as vu, je tire la vérité, l'histoire de PS4, tout le monde a déjà parlé. Il y a un que mais il est passé dans mon quartier, m'en parlait, j'en ai pas. T'as vu, PS4, j'ai rien, C'est des mecs de chez toi qu'ils ont pris et il est au courant. Tu sais très bien de qui on parle. Ça remonte, ça remonte. Ça remonte. Je sais que ça remonte, je vais vous le répéter. Je pense vous regarde, la personne qui vous envoie, t'as vu, je lui ai dit le même discours que je vous dis actuellement. Les mecs qui avaient en raison. La question là qui a été posée, je peux pas vous répondre étant donné que j'ai rien. Que ça soit moi, que ce soit mes anciens G. Cette histoire, elle a été réglée. C'est comme il s'appelait déjà, le mec qui passe au quartier. Salazar, c'est ça. Apparemment, c'était le père Asanti, un truc comme ça. Tu me permets ? Oui, allô ? Pas de soucis. Allô ? Oh, comme il gueule. Oui, qui est à l'appareil ? C'est Kayton, ouvert. T'as dit ton numéro tout à l'heure en mariage. Ah oui, c'est vrai. Comment tu vas, Kayton ? Ouais, ça va quoi, tranquille ? Oui, ça va, super, super. Grâce à Dieu, merci. Ouais, ouais, grâce à Dieu. Hein. Oui. C'est qu'une question de temps, Miguel. Bref. Oui. T'as des grandes chez moi, là, Miguel. Oui, c'est vrai, j'ai le refait 50 Cent, oui. Ouais, comment on peut s'arranger, Miguel ? Envoie-moi une photo de toi en caleçon, et après, peut-être qu'on pourra discuter. T'as pioché une pute ou quoi, Miguel ? Bah, comme tu veux, sinon, si tu veux pas, t'en pars. Moi, écoute, on peut s'arranger autrement. Je vais raccrocher. Je t'envoie ma cousine, c'est bon ? Tu m'envoies une photo de toi en caleçon, et après, je te rappelle pour qu'on discute les négociations. Ma cousine, c'est bon ? Je suis dans la plage. Ils n'ont pas été vraiment. C'est un grand. Rada, c'est ouais, un grand. Je suis un grand du quartier, on va dire. Ok. Il y a beaucoup de grands dans votre quartier, les gars. Ok. Oui, bon. moi je suis le numéro 2. Les nouvelles sont sacrément pas bonnes pour vous. Ok, on va me confirmer. Rien n'est réglé. Hein, votre ancien Audi, il a fait de la merde. Les PNC4, c'est vous qui les avez. Si vous les avez utilisés, c'est votre problème. Là, on vous demande 50 000 $ par PNC4 et les 100 000 $ que vous devez. Vous pouvez payer en armes, en argent. Pardon. Et c'est tout. Ça fait, si le compte est bon, 300 000 $. C'est ça ? Ou la muerte ? Plata ou plomo ? Pinche. C'est à toi de choisir. T'es un gros garçon. Moi, on m'a dit de te faire passer le message. Tu choisis. Soit t'as C4 et tu me le donnes et fin de l'histoire, il t'arrivera rien. Ou soit, hermano, tu te retrouves dans des bordels que tu voudras pas arriver. C'est comme tu veux. Et on peut être là longtemps, hermano. On m'a dit de bien jouer avec toi et de, si t'étais pas coopératif, de faire le travail. Et qu'on soit clair, je te le répète, les points de C4, je les ai pas. Dans les 300K, faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir et voilà. C'est pas toi qui vas voir. Ouais. Dans tous les cas, qu'on soit clair, si c'est là, le mec c'est qui t'a envoyé. Encore une fois, c'est pas moi, je suis pas au courant de ces histoires. Ouais, si tu me trouves avec la photo, c'est légitime. J'ai entendu, je l'entends. Mais bon, sur Liberty, c'est dur quand même. Gars, là, le mec au-dessus de toi, le mec au-dessus de nous, c'est véritablement lui. Il m'a dit c'est très bien que voilà. Si tu me ramènes pas la moitié soir, lui, il canne. Ah, vas-y, bah, je te ramènerai ce soir, je vais aller récupérer les trucs. Non. Écoute, attends, je vais t'expliquer. Attends. Kayton, il s'appelle ça ? Allô ? Ouais, un peu. Pourquoi ? Ouais, pourquoi ? Non, là, je suis vraiment pas là-bas. Je suis vraiment pas. Vas-y. Ok. Je le répète, du coup, si c'est le mec au-dessus de toi, j'ai. Là, t'as vu, j'ai tout à perdre à essayer de me vesquiller, à me cacher ou quoi que ce soit. Maintenant, regarde, il vous a payé. J'ai ton non, numéro. Non, j'ai pas été payé, c'est le problème. Il est bien là le problème. C'est comment il m'a dit, c'est moi, je le récupère. C'est pas tu lui on sera payé à l'affaire. T'as pas de message. C'est moi, je passe. Il veut plus avoir affaire à toi. T'imagines, je lui ai dit de venir. Il m'a dit, je veux plus entendre parler de leurs histoires. Et je veux ma plata. Et c'est tout. Donc, c'est toi qui choisis. Là, je suis Clément, c'est moi qui t'a dit la moitié. Et je vais lui montrer. C'est pas vrai, c'est pas Clément, c'est Vertigo. En gros, apparemment c'est Vertigo, pardon. Oui. En gros, là c'est soit tu me passes 150 000 et je vais lui parler, je vais lui dire, ils ont fait le maximum, ils m'ont donné ça. Et le reste, bah, tu vois, avec eux. Ou soit, hermano. Vas-y, je vais dire à mes gars de ramener. Une seule personne. Une seule personne qui vient. Téléphone.
Vas-y, je vais regarder ce que tu fais. De toute façon, t'as qu'à regarder. Après, si t'as les 300 000, un conseil, fais-le. Au moins, le mec, il voit que tu payes et que tu veux vraiment régler l'histoire. Hein. Parce que je te mens pas qu'il est énervé de fou. Hein. Ah, il voulait m'armer comme un fils de pute pour aller chez toi. Ouais, c'est compliqué, 300 000. Hein. Tu te doutes bien, Vertigo. Ah, mais là, il est tombé sur moi. T'imagines, il tombe sur les gens. Le problème, c'est que Vincent, il bug quand j'avais leur FaceTime. Ah là là, Miguel. Oui, mon gars sûr. T'as des couilles. Ça va. Des couilles, Miguel. Ça va quoi, mon frère? Ça va, ouais, ouais. J'aimerais bien que tu m'envoies la pause, non? Je suis bah, ton frère. J'aimerais bien que tu m'envoies ton slip. Ouais, ouais, mon slip, mais j'ai pas de slip, c'est ça. J'ai mis un jogging sans slip. Eh ben alors, envoie ça ton slip. Et sans mon zizi, il est coupé. Eh ben, c'est pas grave. Et j'ai mis ton shopping, tu vois. Ça sert à rien. Ben alors, ton réfet, il va mourir. Bah, au pire, tu sais ce qu'on fait, Miguel? Non, on fait quoi? Bien les caisses. J'aime bien les caisses, oui, j'aime bien. Je veux quoi, une voiture? Je voudrais ça. Une Golf 8 GTE. GTE? Je te rends pas, je peux te débloquer ça, la famille. Avec une petite cargaison bien dans le coffre et tout, avec de l'argent. Quitte même pas mon frère, hein. Non, mon frère Miguel. Ben là, je connais pas trop, sinon Vertigo il va me tuer. Ah, tu m'as dit quoi? Vertigo il va me tuer si jamais je te donne la position. Mais attends, appelle-moi normal pour que le FaceTime ça me fait bugger mon téléphone. Ça te stresse? Oui, ça me stresse. Vas-y, pas de soucis. Vas-y. Merci. On les a pas les 300, on les a même pas. Bah donne-moi ce que tu peux me donner. Mais minimum. Oui, dis-moi. Non, y'a personne qui te baisse, y'a personne qui te tue, non? Si, ça arrive souvent. Ah, ouais, mais je sais pas, t'es un vrai bandit. À la base, tu m'envoies la pause, t'es un vrai bandit, non? T'aimes le risque. Oui, oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. T'es impliqué dans toutes les risques. Oui, non? Bref, qu'est-ce que tu veux? Envoie-moi la pause. Je viens tranquillement, je discute tranquillement. Mais non, mais je veux bien être un trou du cul, mais pas à ce point quand même, Kaiton de merde, de Hoover de merde. T'es pas un trou du cul, Miguel. Mais non, mais non. Quand même, là, Doréfé, il part, il règle les affaires, et après, si ça se passe bien, il meurt pas. Mais je pense qu'on va le tuer. Si il meurt, Miguel, c'est moi qui va te revoir en personne, Miguel. Ben, hein, si il meurt, c'est moi que je te trouverai en personne pour pas que tu me trouves en personne. Vas-y, ah, on se reverra, Miguel. On se reverra, connard. Ouais, c'est... Je suis pas de chez eux, de toute façon. Je le reconnais vite. Ah, c'est bon, il va me ramener de l'argent. Raiden! Quoi? Il faut qu'on change de position, sinon ils vont revenir avec tous ses copains. Non, mais non. Voilà, ça y est, ils sont pas cons, ils savent très bien, mes gars, que si je suis braqué, vas-y. Raiden, sérieux, tu sais que mes excuses, c'était sincère, hein? Si tu le dis, Miguel, si tu le dis. Tu vas vouloir me niquer, c'est sûr, putain. Mais pourquoi vous comptez tuer Sarah, là? T'as dit quoi? On comptait pas la tuer, je sais pas qui t'a dit. On comptait la tuer. On m'a dit ça y est, vous allez la tuer là maintenant. Qui t'a dit ça? Parce que les t'as vu les enlève ton bonnet pour voir. Je crois que je vais canner une meuf parce qu'elle veut baiser avec un latino. Ok, mais enlève ton bonnet pour voir. T'as dit quoi? Enlève ton bonnet pour voir. Ah bon? Oui. Elles sont belles tes tresses, hein? Ah ouais, j'ai pris du temps à les faire. C'est vrai, moi aussi t'as vu, mes cheveux ils ont repoussé. Ils ont bien repoussé tes cheveux, j'ai vu ça. T'as vu? Ça a mis du temps, ça a mis au moins une semaine à repousser. Ouais, le lendemain j'ai vu, t'avais fait une petite coloration sur le crâne, c'était pas mal. Oui, c'était pour arranger un petit peu. Elle était sympa la crête que je t'avais fait. Et t'en penses quoi là de la poule? Attends, Vertutu, là tu vois bien, j'ai ma voix de machiavélique. Attends, tu reconnais pas cette voix? Non, je reconnais pas, moi je connais ta voix machiavélique, elle est pas comme ça. Non, parce que lui, un jour, t'en rappelles, je suis rentré au barrio, j'étais chauve, t'en rappelles ou pas? Oui. Il avait une petite crête, on a été sympa avec lui, on aimait bien sa coupe, on lui a dit regarde celle-là elle est encore mieux, t'as vu. Tu te rappelles quand je me suis laissé pousser les cheveux, j'avais la coupe de l'Undertaker, Vertigo? C'est vrai, je m'en rappelle très bien. Oui, ouais. Oui, je m'en rappelle. Tu te rappelles combien de temps j'avais mis à les laisser pousser mes cheveux comme j'étais content? Ah oui, t'as mis un peu de longtemps quand même. Entre temps t'as fait un CAP coiffure, ça veut dire que maintenant tu maîtrises la tondeuse à perfection. Allô Lorio? Ouais, Miguel, vu que j'ai pas le numéro de Vertutu. Oui. Il propose une jugulaire. Il propose une jugulaire, Vertutu. Non, mais c'est pas, y a pas de jugulaire là, c'est l'argent ou. L'argent. C'est pas pour moi, l'argent, c'est pas pour moi. Il a dit la jugulaire pour une partie. Et une partie de la somme ou une partie de la somme? Non, pour une partie de la somme. Pour une partie. Ensuite, le reste quoi. En gros, non, une jugulaire pour une partie et après le reste. Attends, je l'appelle, mais pour moi, il va me dire va te faire un cadeau de l'argent. C'est quoi ton numéro, Vertigo, quand tu t'appelles direct? 559.
5-5-9, ouais, c'est du bon d'altitude. Ouais, seigneur. Après, il appelle ça l'argent. Il vous propose un peu d'argent et une jugulaire. Enfin, la moitié en argent et la moitié en jugulaire. Une jugulaire. Vous en pensez quoi? Ouais, voilà, le jugulaire, il en a 6. Ok, claro. Ok, bah, c'est bon. Bah, c'était évident. La réponse. Il essaie de m'appeler, ce quoi. Ouais, comment pour la jugulaire ça? Et il en a 6. Parce que mon couteau il est bien aiguisé et je pense qu'il pourrait aiguiser une tête. Ah non, il a dit. La pas besoin d'en arriver là. C'était un bon sentiment que je t'ai fait ça, Miguel. J'ai dit la petite crête que je t'avais fait était sympa. T'avais un bonnet donc t'as vu que c'est. Pourquoi je te mens pas, t'as vu, je comptais me raser le crâne donc si tu peux m'arranger à le faire, bon ça te dérange pas, t'as vu. Pour de vrai? Vraiment. Je comptais vraiment me raser le crâne à zéro. T'as vu? Non, vraiment, à zéro. Je comptais me faire une boule à Z. Mais là tu me coupes tout plaisir. Je retire, je voulais pas me faire une boule à Z, je voulais avoir des cheveux longs. Non, je sais que tu mens, c'est plus pareil. S'il te plaît, réveille-toi, t'as vu, c'est un monteur, comme ça, on le fait pas la boule à Z. On va te la faire, la boule à Z, garçon. Eh, Radamel, écoute, Bagos. Non, Radamel, t'as même pas entre lui et moi. C'est pas l'histoire de Bagos, c'est l'histoire de Miguel et de ce trou de balle qui m'a rasé la tête. Et après, je les ai brûlés. T'as rappelé, je vous ai brûlé ou pas? T'as brûlé, ouais. Et tu sais, après, j'ai couru, et vous m'avez cherché. Eh ben, c'était caché dans le buisson à côté du terrain de basket. Non, t'es smart. Oui, et vous êtes passé 8 fois devant moi, vous me voyez pas. Est-ce que t'avais un grand sourire quand on est passé à côté? Oui, j'étais mort de rire. Oh putain, j'étais. À deux doigts, oh là là, j'étais mort de rire, vraiment, comme un fou, je rigolais dans mon buisson. Putain. Mais je rigolais dans mon tête, parce que si je rigolais fort, après, vous m'aurez retrouvé, vous m'auriez niqué mon mère. C'est logique, bah oui. Non, t'as été bon, Miguel, t'as été bon. C'est vrai. Moi, je te dis, hein, franchement, t'as peut-être mal pris la coupe, mais sache-le, ça t'allait mieux. T'as vu une petite coupe là, petite crête sur le crâne, c'était pas mal. Ça m'a permis de reset mes cheveux. Et ouais, tu repars de zéro capillairement, et voilà, là maintenant t'as des belles tresses. T'as pas aussi belles que les miennes, mais tranquille. J'ai plus envie de couper, Vertugo. Ben, c'est normal, on rentre dans ta tête, on te pisse dans le cerveau et on le sort, toi, Miguel. T'es trop de balle, hein. De toute façon, ça change pas. Ouais. Je m'en ai des. J'en ai marre. C'était connu plus solide mentalement, Miguel. Hein. Non, je pense qu'il dit la vérité. Comment ça, c'est Sarah. Tu voulais te raser le crâne? Moi? Réellement, oui. Ah, réellement, okay. On va te le raser. Ouais, vas-y, commence à la raser, vas-y. Vamos. Vas-y, Miguel. Non, j'ai pas envie de le faire, je suis plus excité. J'ai pas de couteau aiguisé, moi. Passage, on en profite, Vertugo. Si quoi? Ça te dérange pas, je t'en fais quoi comme bise, vous, les gars? Au moins, savoir, on a qui comme potentiel ennemi sur nos bises. Fais tout, tu m'as dit. Dès qu'on a une offre, on la prend, garçon. T'as vu, c'est pas le business. T'as vu, si un jour on sera amené à être sur le même business que vous, bah vous le saurez. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire en face, t'as vu. Moi, tellement je suis averti, je gère pas ça. Je sais même pas. Je te mens pas, t'as vu. Il y a de l'argent qui rentre, donc. Je te mens pas, on est partout et nulle part à la fois. Mmh. Et si un jour on est, comme il a dit, on est amené à avoir le même business, je montrerai quelqu'un à ta porte pour te dire d'arrêter. Je sais très bien que je suis dans ce genre-là, moi. Attends, parce que j'ai pas une spoil. Y a qui comme mort ultra connu d'un personnage de film, genre? Je suis dans tout, j'ai des plans un petit peu à gauche. Mais genre sans spoil, tu vois, un truc, un classique. Je laisse les petites drogues, cheap weed, quoi que ce soit, au mec de l'Ouest, tu vois. Au mec de l'Est, pardon. Voilà, attends, c'est une question dangereuse là que je viens de nous faire. D'autres types de drogue, moi, t'as vu, moi j'ai la meth, la coque, tout ça là, t'as vu. Et une tonne de coque chez moi. Hey, c'est pas du spoil, vous êtes sûr? Ça y est là, c'est. À l'époque, je me rappelle, c'était un spoil, Ace, quand même. Hein. Ah, ça paraît vite. Là, sur l'or, ouais, là, vous roulez sur l'or, c'est bien. Exactement. Ça. Exactement. C'est pour ça que. Ah, ça change pas de notre train de vie d'habitude. C'est une AK-48, t'as vu, c'est au-dessus qu'une AK-47. Non, t'es bon. Dernier modèle. C'est avec Option lance-flamme. Ouais. Grave et Vertugo quand même. Ouais. Pour brûler nos ennemis, les ramener directement en enfer. Vous avez des balles explosives, quelque celui-là chose. Celui-là porté. Le viseur laser dessus. Non. On a un fauteuil roulant d'un militaire aussi. Ouais. Le fauteuil roulant, il est pas moi, il est à. Ouais. Il est au petit sicario derrière. Il est au petit sicario là qui est là. Il a vraiment la dégaine de sicario, c'est pour ça que je l'aime trop. C'est fait pour tuer Miguel. Regarde-le sa gueule. Qui, moi? Ouais, t'as vraiment la gueule de sicario. Non, c'est pas vrai. C'est fait pour tuer Miguel. Moi, je me rappelle, tu te rappelles le premier jour qu'on était ensemble, j'ai tué deux balas. T'en rappelles? Bah oui. C'est quoi ça, les balas?
C'est un gang, t'es sérieux ou quoi? Un gang de trucs du cul. T'as vu, je vais t'expliquer, non. Je vais t'expliquer, t'as vu ici? Allez, ah, c'est les mecs de LS, vous parlez là. Oui, bien sûr. Mais écoute-moi, t'as vu ici, vous êtes tous. T'as vu? Ne prends pas mal, mais vous êtes tous des petites putes, t'as vu? Y'a personne qui a un gang à part, tu vois. Vous, vous êtes des branches. Nique ta mère, on est dans un arbre. Nous, on est l'arbre. Nous, on est la race, tranquille, t'as vu? On est la tête. Los Vagos, t'as vu? Los Santos Vagos, c'est moi. Et là, je crée des Liberty Vagos. C'est vrai que les ouverts viennent de LS de base, les G's. Ça vient d'aller, mais vas-y, quoi. T'as compris? Ouais, je viens pas d'aller, moi. Je vais de Los Santos, pas de Los Santos. Voilà, moi, je viens de Los Santos, je viens pas d'aller. Ok, tranquille, les gars. Ouais, compliqué. Mais bon. Alors, attends. Si vous roulez sur l'or, c'est carré. Ah, t'as vu, on roule pas sur l'or. Je t'ai dit, à part la K48 que j'ai commandé, Miguel, sa chaise roulante militaire, on n'a pas grand chose. Ça va, j'ai vu, fusil à pompe, fusil, ça va, ça roule sur l'or aussi. Voilà, on a implanté depuis quelques temps, c'est pour ça. On a su faire nos petits bises à gauche, à droite, normal qu'on ait récompensé par rapport à ça. Je comprends. Téléphone qui sonne, tu peux me le passer ou pas? Bien sûr, tiens. Ouais, Makila. Ouais. Je regarde Breaking Bad là. Foutez de ma gueule, les gars, sortir en 2006. Non, là, vous trollez, les mecs. Ouais. Bah. T'as vu, Makila, fais comme tu le sens et tu ramènes ça. Mais dis-moi, comme ça, moi ouais, je peux l'aider. Bon. En gros, là, il propose un tech et deux. C'est quoi, tu m'as dit? Ah ouais, donc un tech et deux Beretta, ça fait. Comment il s'appelle le mec dans Game of Thrones, là, ils sont pas neufs, ils sont pas neufs, hermano. Il va te dire ça. Compte-le à 140 000, 130 000, il va te les compter. Ensuite. Moi je vais l'appeler, regarde devant toi. Va voir avec lui. Quoi tu... On t'a dit un tech. Il faut de l'argent. Il faut des thunes. Bah oui, on avait dit 150 000 et autre chose. Au pire, rappelle directement Killa. Regarde, tiens, je te passe mon numéro. Enfin, de ce pire, Killa, il te rappelle. Attends, je l'appelle. Je te passe son numéro. Mais quoi, vous avez pas d'argent? À 100 000 dollars? Ouais, Salazar, il te propose des armes. Deux pistolets et un Tech 9. Mais wesh les gars, franchement je spoil que des séries qui ont plus de 10 ans. Les gars, arrêtez. Salut Rita, mon gars. Rita, c'est que des trucs qui ont plus de 10 ans les mecs. Bonne question, je sais pas, elle était avec moi quand on est parti voir le mec que t'as tabassé. C'était qui? C'était réel ou c'était un mensonge, amigo, le passage? Tu m'as dit quoi, pardon? Le mec que t'as tabassé, ça n'existe pas. Le mec que j'ai tabassé? Comment ça, le mec que j'ai tabassé? Ouais, tu m'as dit, ouais, j'ai tabassé un mec, je crois qu'il est pas bien. Ah oui, non, c'était pas vrai. Là, il va m'appeler et je veux au moins. Du coup, ouais. Bah, elle était avec moi à ce moment-là, du coup. Vas-y, bah, écoute, tu le feras passer le mot que je la trouve ravissante. T'as vu. Ouais, bah, arrête, c'est bon. Tu c'est peux bon. Essayer de récupérer son numéro, parler avec elle. Non, tranquille. Voilà. Ok, ça va. Ok, dans la subtilité. Je t'appuie, mon gars. Grâce au Seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis-moi, toi. 100 000 dollars plus les 3 armes proposées. Imagine comme on est clément. Je t'ai dit, vois directement avec ma Makila. J'ai pas son numéro, appelle-le. Je te le passe. Non, mais t'as son numéro, tu l'appelles. Tu lui dis. Tu lui dis, il va te l'appeler. Moi, j'ai pas besoin de parler avec lui. Tu lui dis 100 000 dollars et les 3 armes qu'il a proposées. Le que mais il a proposé 100 000 et les 3 armes. Yes, il a fait un putain de pas là. Ouais, 100 000 et les 3 armes. Parce que vu que les armes elles sont déjà utilisées. Ça, donnez pas des spoils qui ont moins de 10 ans. S'il vous plaît, arrêtez. Le coup là pour la somme, je te dis, un Vertugo, on peut vraiment pas. On a. La somme, on l'a pas actuellement parce qu'on a passé comment. Voilà. Je vais l'appeler, hein. Tu pourras payer quand? Non, il y a que les Vagos. C'est des intermédiaires. C'est des intermédiaires et le mec il est pas là. Verra bien en tous les cas par rapport à ça, mais tranquille, vas-y. Bah vas-y, c'est de voir en deux armes en tech et vas-y au pire rajoute 20 000, histoire de faire et voilà. Attends, je vais l'appeler, je vais lui dire. Dans 3 jours, tu peux payer les 100 000 dollars?
Attends, deux secondes. Avoir, ouais. Signe. Attends. Ok. Les trois armes et dans trois jours, ils partent. C'est bon. Kayton, il est gentil, il essaie de te sauver depuis tout à l'heure. T'as vu, arrête de parler avec ce fils de pute, je vais le canner. T'as vu, tu vas parler avec un mec qui va canner. Lui, okay. Il parle pas avec lui. Pourquoi? Tu m'écoutes? Il est, je sais pas, t'inquiète, il va canner, c'est tout. D'accord. Dans trois jours... Ouais, Lorio. Ouais. Ouais, bah récupère les trois armes et vas-y, ils ont trois jours pour payer les 100 000 dollars, sinon, voilà quoi. Vas-y. Ouais, t'as trois jours pour payer les 100 000 dollars. Je passerai par son fils, tranquille. Et voilà, tu passes. Par contre, il m'a dit dans trois jours, t'as pas, c'est ta tête qui tombe. Vas-y, pas de galère. Pas de galère. Voilà. Quand même, t'as gagné 30 000 dollars dans l'histoire. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Attends, pourquoi tu vas te voir Kayton? Non, c'est pas moi qui vais te voir, c'est celui qui nous a donné le go. On parle de Kayton. C'est qui Kayton? Qui a donné le go? Non, mais c'est qui Kayton? Je sais pas. Qui a donné le go pour quoi? C'est un petit peu de chez moi. Non, je le connais pas. Il a donné le go de quoi? Mais attends, je parle à lui là, je parle pas. Genre, je veux comprendre pourquoi il va tuer Kayton. Il a donné quel go? C'est ce qu'il a dit, j'ai répété par rapport au dodge de go. Mais là, Kayton, c'est pour autre chose. C'est un truc dans mon quartier, je vais m'en occuper. Ah, d'accord. Tu pourras m'appeler quand tu le tues? Vas-y, ça fait plaisir. Ok, merci. C'est bon, il est libre? Du coup. Non. Non, on attend les armes, attends. D'accord. Oh, regarde! Vertigo! Il fait un super saut! Ah merde. Lequel? Attends, j'ai fait un super saut. Ah. J'arrive plus. Ouais, refait. Il y a une meuf qui m'a appelé tout à l'heure, mais je vois un ami, apparemment, fait de la musique et tout. Apparemment, elle a un gros chèque à proposer. Hein. Ben vas-y, on va la voir. Tu veux venir avec moi? Ou non, juste, vas-y, on va lâcher le mic. Non, moi je reprends par le micro, mais pour toi, je sais pas, quand tu veux. On peut aller voir, s'il y a un billet à gratter, moi je prends. Parce que moi je pense que j'ai lâché. Hein. Là, on verra. On verra qu'est-ce qu'il va proposer. Hein. Bon, Miguel, qu'est-ce qu'il dit, Kayton? En gros, je lui ai dit que tu allais mourir et je lui envoie plein de spoils de films et de séries avec des personnages qui meurent, tu vois. Et il dit quoi, ce petit fils de pute? Il me dit, tu sais quoi, viens après, on se donne un petit rendez-vous, promis, je viens tout seul. Et après, tu m'as dit, non, c'est lui qui va mourir. Du coup, j'ai dit, ah, apparemment, il me suis trompé de personnage de film. Et après, il m'a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui va canner? Et là, il lui a envoyé un gif avec Jim Carrey qui dit non. Mais il spoilerait pas, promis. Ah, spoile pas, t'inquiète. C'est un petit Hoover ou c'est un habitant? C'est un petit Hoover. Ok, claro. Ils arrivent là? Ils arrivent? Je sais pas, j'ai pas eu de coup de téléphone, tranquille. Tu veux que je l'appelle mon gars là pour voir? Ouais, tu peux voir. Et Cobb, c'est un petit de chez vous? C'est un habitant, je m'en bats un peu les pieds. Putain, il est chiant lui, sérieux. Hein. Pourquoi il fait quoi? Il fait que m'appeler, il fait que m'envoyer des messages. Voilà pourquoi c'est pas ouvert, je te mens pas. Sérieux, j'ai trop de charisme à Radamel. Ah, Miguel. C'est incroyable. Et toi, tu pourrais en avoir. Ouais, c'est comment ça? Il y a trop de couleurs sur le corps. J'aime pas trop ton haut là. Vas-y. Ma chemise? Bah ouais. Tout est c'est bien, mais pas avec ce pantalon. Tout est folle la chemise. C'est la chemise. Ok. Les parties pissées, il arrive. Ok. En fait, c'est le dessin de. Tu vois, Kayden. Collégien. Déjà, Rodri, enlève ton masque. Comme ça, tu te masques devant. Bah les couilles. Tu vois, lui là. On a caché. Le jour où tu as un problème et que c'est lui qu'on envoie, sache que tu es mort. Ah, lui. Tu t'en rappelles de lui ou pas?
Ouais, je me rappelle, c'est lui, tu m'avais dit que c'était l'OG, non? Voilà, voilà, parfait. Regarde comment il se Par tient, contre, cousin. Comme je t'ai dit, c'est notre rien. T'es petit, juste, arrête-moi et des messages quand ils sont dans des coffres, en me disant s'il te plaît, viens m'aider. C'est un peu compliqué, ça. C'est Gaz, il a fait ça, il croyait qu'il m'envoyait des messages à moi. Non, mais c'est tout, c'est Gaz, il croyait que c'était mon numéro à moi. Et lui, t'as dit que c'était le chef, lui, Rodé? Il m'a dit que c'était un second. C'était le second, et quand t'es pas là, c'est lui qui gère. C'est pour ça, je comprends pas. J'ai beaucoup de numéros qui me disent que c'est des secondes chez toi, du coup, c'est un peu compliqué pour savoir. Ça te fait rire, Miguel ? Oui. C'est moi qui lui ai dit ça. Allô ? Dis-lui un peu sa mère, Rodri, pour lui montrer un petit peu qui, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Eh, écoute, t'as vu, je vais te dire les prénoms. Attends, recule, recule vite fait, Rodri. Parce que, Vertugo, quand tu es pas là, on a décidé que c'était Rodri le réfé. C'est pas toi qui décide, t'as vu. Mais pour qu'il a une grosse voix, il y avait ni toi, ni Radamel, ni Louis. Écoute, écoute. Les gradés de mon. Enfin, les gens supérieurs, hein, parce que nous, les grades, on en a rien à foutre. Ouais. Radamel, Guero, Miguel, un peu Lorio, mais pas trop. Téléphonez ça, c'est Issa. Vas-y, vas-y. Oui, Issa. Je t'envoie la pause. Vas-y, vas-y. Je lui envoie la pause du coup ici. Vas-y, vas-y. Compris ou pas? Vas-y, c'est carré. On mange aussi. Quand des petits trous du cul comme ça. Déshabille-toi, Babel, déshabille. Je sais pas quoi. À qui tu parles? J'ai envoyé autre vocal. À qui? Magui. À Kaitod. Ah. Ok, parce que c'est quoi, il t'envoie la mort des messages. Je sais pas, là, il parle de cul. On va vraiment te renvoyer vers les hommes, hein, Miguel. Ça marche pas avec les femmes. Tu veux pas le marier avec Miguel Mais Rodri, tu as pas parlé depuis 20 minutes, hein. Je sais pas si tu as parlé ou pas. Mais y'a rien à dire, j'ai rien à dire. Parce que tu te rappelles. Il t'a donné 10 000, m'a rien dit. Il t'a fait la misère. Je parle pas, tu vois. Il t'a donné 10 000. Il est fait que pour tuer. Je suis parti faire des trucs, tu m'as même pas dit merci. C'est bien, c'est bien, c'est bien. 10 000. Tu me cries dessus? Non, non, je te crie pas dessus, c'est juste que tu es silencieux. Tiens, je te donne. Bon, c'est bon, on y va. On les dépose dans leur quartier ou vous restez ici, on vous envoie une pause, ils arrivent. Tranquille, on va appeler notre Giz. Vas-y, ok. Au niveau des business de droga, de cocaïne, etc., etc. Vous savez, moi, j'ai une particularité chez les Vagos. Ça fait quand même un petit moment que c'est comme ça. C'est qu'on n'est pas des très gros vendeurs de rue, ok. Donc malheureusement, on vend quelques pochons par-ci par-là aux clients qu'ils en veulent, mais sinon on n'est pas des gens qui font que ça. Il a perdu alors qu'il avait un club de golf. S'il n'y aurait pas quelque chose à faire au-dessus de ça, de la création peut-être, ça pourrait m'intéresser, ou de la revente en gros, ou du transport. On pense que de la revente en gros, une grosse partie de mon business c'est d'exporter sur Los Santos. C'est... Donc si vous avez de la drogue en grande quantité, je vous amène de la racheter. Là, j'en ai pas. Malheureusement, j'en ai pas. La plupart du temps, c'est un convoi qui part par semaine. Il ne prend pas en dessous de la tonne. Ok, claro. Mais le problème, c'est que nous, on l'achète déjà en gros. Et pour... pas comment on pourrait gagner des sous, mais si vous l'achetez pour se faire une marge dessus, c'est la revendre au détail. Hein. Vous et voilà, pour la exactement. En gros, vous n'allez pas vous faire de marge. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je voulais vous demander si vous n'avez pas un poste à... Enfin, du travail dans les laboratoires ou même dans les reventes de certains produits primaires pour faire de la cocaïne ou autre, ou de la méthamphétamine, etc. pour que je puisse mettre mes dents dessus et plus lâcher, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est je vois. Écoutez, pour l'instant, là, il était en affaire à Caio. Je suis revenu tout fraîchement. J'ai pas mal de choses à remettre en ordre avant de me relancer pleinement. Mais je prends ça dans un coin de ma tête et je vous tiens au courant. D'ici la fin de la semaine, j'aurai peut-être des nouveaux jobs. Moi bien, on est preneurs nous. Mais sachez preneurs. Juste qu'on n'est pas des vendeurs de rue, hein. On est vraiment pas comme ça nous. C'est, malheureusement. Ouais, ça.
Ça ne fera pas partie de tout ce qui est drogue, tout ça et d'autres choses. On est preneur. Voilà. On est preneur. De toute façon, ce qui concerne la drogue, comme je vous l'ai dit, je fais juste racheter en grosse quantité pour exporter à Los Santos. Le reste, je m'en préoccupe pas. Claro. Oui, j'aurai peut-être des trucs à droite, à gauche qui pourront vous intéresser dans un avenir proche. Faudrait voilà. Que je vous parle d'un truc prochainement. Si, bah après, je suis là maintenant. Non, mais là, c'est pas précis. Ça vaut pas le coup d'en parler maintenant. Mais prochainement, je me renseigne sur certaines choses et je vous en parlerai. Ok, pas de problème. Perfecto. Bon, allez. Vous amuser. Bien sûr. Et on va dire plus tard. Gracias. Buenas, señor. Au revoir, Salazar. Si, au revoir. Au revoir. Si. Au revoir. Si, mais toi, tu n'es pas les tenders les plus croustillants de Boquette, hein. Je peux vous parler en privé? En privé, c'est toi, ouais. Si par hasard, des fois, vous avez besoin d'ombrer un peu tête cramée pour faire vos désirs et vos ordres, ah, pas le sexe. Quand je dis vos désirs et vos ordres, c'est genre mission, quoi. Si. Moi, je suis là, je fais tout, j'accepte tout, j'ai rien à perdre. Si, j'entends bien, ok. Oui, des petites missions extravagantes un peu peut-être que j'aurai ça. Tu mon numéro, c'est 3131. C'est facile. C'est Toulouse. Oh, 911, il m'appelle. Les Poyos? Allô? C'est Mora, ça. Oui, bien le bonsoir. Vous êtes la personne qui a envoyé ce genre de message. Bonsoir, oui, à la police. Oui, c'est moi, en personne, oui. C'est des menaces. 555-3131. Oui, c'est des menaces, bien sûr. Monsieur. Oui, bien sûr, c'est des menaces, bien sûr. Et toi? Comment? Où vous êtes, monsieur? Ben, je suis là où je vous ai envoyé le message, c'est-à-dire dans mon barrio. Vous devriez partir, monsieur, parce qu'il y a les postes qui vont arriver. Si vous voulez pas qu'on vienne vous botter le cul dans votre putain de quartier bien de merde, calmez-moi. Couilles. Viens, c'est des colonnes. Ah ben, donne-moi la raison de venir, mon beau. On a des armes et de la drogue. J'arrive. D'accord, super. Les poyos arrivent! Ouais. On va pas rester éternellement ici, ok? Oui, c'est bon. Non, c'est flexible, c'est vrai. C'est un skin Warzone. On va pas rester éternellement, mais ça coûte un certain coût. Ouais, là, non, si on a pas les papiers d'ici. Attends, il faut bien cacher les armes pour que les poyos arrivent. Attends, Miguel, il est en train de nous faire une phrase. Non, une trame. Ah merde, pardon, refais, j'écoute comme ça. Ok, les gars, on va pas rester éternellement ici. Liberty City, c'est pas. Il fait pas beau, il y a des gros blocs. Moi, mon but, c'est de retourner à Los Santos. Le problème, c'est qu'on est tous fichés là-bas. Et pour enlever le fichage et repartir sur une bonne pièce, les gars, je me suis renseigné. Il faut approximativement 5 millions de dollars. Pour tout le monde. Bordel. Pour retourner à Los Santos. C'est les 5 millions de dollars gagnés durement. Avec des billets pas marqués ni rien du tout. Donc là, il faut faire un peu d'argent. 7 millions pour chacun? Non, 5 millions en tout. Non, c'est pas un lit commode, on va à Los Santos, là, il nous fait On va parler d'une œuvre d'art qui coûte extrêmement cher. Une directrice. Que toi, Miguel, qui la connaît. Rester ici. Que toi, Miguel, qui la connaît. On réussira jamais, 5 millions, c'est trop, laisse tomber. On n'arrivera jamais. Écoute-moi. Miguel, plus que 5 millions, c'est pas comme Los Santos. Hein. Tu me laisses finir. Miguel, s'il fouille bien son cerveau et qu'il se pose et qu'il réfléchit bien, il y a une œuvre d'art un jour qu'il a touchée qui vaut 3 millions de dollars. Le problème, c'est qu'il ne se rappelle plus d'où il a mis. Il ne sait même plus c'est quoi. T'as eu ce trou du cul, là. À force de l'Orio, lui brûle la tête. Le rend fou, il a perdu la mémoire. Ah oui, ça me dit rien. Ça me dit rien, bordel. Ben oui, j'ai vraiment oublié. Donc, faut essayer de trouver ça. Ok. Après, il manquera 2 millions. Ouais. Ah, mais 2 millions, après, on peut les faire. Ah, le truc d'or. Quoi? La réserve d'or. Ouais. On peut la faire, oui, on pourra la faire. Mais ça va nous rapporter quoi? 500, 600 000 dollars? Bah, là, c'est déjà bien. C'est déjà ça nous... Là, on a déjà tout ça. Ouvrez le portail! Comment ça? Mais si ça payait 3 lettres, je fais comment? Aces? Comment il s'appelle le perso d'Inot?
Camilo. C'est pas les poyos là! Non, c'est pas les poyos, pourquoi? Mais pourquoi tu tires sur des commentaires sur les gens? Pour qu'ils arrêtent de passer devant le barrio. Mais c'est une route, et on peut pas la barrer! Miguel! Oui, mon frère. Il faut une checka. À toi? Oui. Ben, trouve-toi une checka? Oui, mais mon. Ah! Ok, ça va. Ça va, mais. Ok, disais. Oui, mais moi, les chicas, je n'ai jamais vu une chica comme Camélia. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Comment ça? Ouais, avec quoi on va les attaquer? Toi, t'as des cocktails, mais nous, on a. Mais putain, merde! Arrête! Je vais m'exprimer. Hey, Miguel. Mais j'en sais rien. Sors des armes. Ah, okay. Mais quoi, des armes à feu, t'es fou, quoi? On défend le barrio coûte que coûte, non? Non, mais je veux pas leur tirer dessus. Les cocktails Molotov, ils vont râler. Tu fais des tirs de sommation? Non mais j'en sais rien. Pourquoi elles explosent pas là? Elles explosent pas. Togo. Attends, je mange vite fait, Rodrigo. Mmh. Oui. Mais non mais putain, tu mets pas en face de moi. J'en ai marre, mais c'est quoi ce... T'es fou. Merci. Vous voulez tirer avec quoi, vous? Non, le sait, moi, je sais pas, lui, il a des cocktails, mais nous... Les pistolets à eau, vous avez plus des pistolets à eau? Non, on n'a pas, on n'a pas. On prend des pistolets à eau. Viens, ils sont où? Ça va, là, t'as pas de trou du cul, là. Vertugo! Quoi? Tu sais comment je suis beau. Quoi, mon dieu, quoi? Regarde. Un pistolet à l'eau, à eau ou pas? Oui, prends. Non. Moi sur moi, sur moi. Ah, ok. Ah, j'ai pris l'Orio. Merde. On fait quoi? Toi, prends des pierres. Tiens, tiens, regarde ce. Pierre. Je vais te donner des sous que tu vas la rejeter au poyos. Ok? D'accord. C'est bon, il y a les pierres, non? Attends. Oui, j'ai des pierres, pas des sous. Non, mais quoi, espèce d'enfoiré. Non, mais oui, Camilo de merde. Aïe, quoi? Oh, ça fait, tu arrives ça ou quoi? Si je mets de l'eau. Je te laisse la surprise, mi amor. Bah, dis-moi, parce que sinon je vais me casser. Mais te casser pas, s'il te plaît. D'accord, je me casser pas. Vas-y, essaye de descendre la voiture pour voir. Oh, ça marche. J'ai pas la range. T'as pas la quoi? On n'a pas la range. Le recul de fou. Attends, essaye là. À gauche. Ça marche pas. Ça marche. Ah, ça marche. Ah, vite, ça marche un peu. Aïe. Le retour. Oui, c'est bon. Ah, ah. Aïe, non! Réveille-toi, cousin. Non, t'es toujours là pour moi. Attendez, je vous ouvre! Merci! Mais bordel! Là ça y est, on n'ouvre plus, je vous préviens. Pourquoi? Il y a des poisses qui arrivent. Mais non. Bah si. Comme la dernière fois. Oui. Je vais faire la statue.
Ok. Et ça, alors, t'as une explication ou pas pour ça, rationnel? Sur quoi? Que l'eau n'éteint pas le feu. Et tu es encore persuadé qu'on est dans un jeu vidéo, Lorio? Mais pourquoi l'eau n'éteint pas le feu? Mais pourquoi tu es persuadé qu'on n'est pas dans la vraie vie? Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de choses rationnelles. Mais comment tu peux savoir que dans la vraie vie, l'eau éteint le feu si tu n'es pas... C'est de la physique. Oui, mais notre physique à nous, c'est peut-être que dans notre monde à nous, eh ben l'eau n'éteint pas le feu. Lequel de monde à nous? Ben notre monde, là, dans lequel on est. Peut-être qu'il y a plusieurs mondes. Peut-être, ça se trouve, il y a un monde où c'est d'autres gens qui nous contrôlent. Pour divertir d'autres gens. Peut-être. Moi, je pense que c'est la théorie la plus probable, parce que des fois, je fais des trucs de con, je sais pas trop pourquoi. Ouais, tu téléportes. Tu m'as dit quoi? Des fois, tu téléportes. Oui, c'est vrai, tu vois. En gros... Ouais, c'est bizarre. Genre, c'est bizarre, à chaque fois, je me réveille. Et j'ai l'impression que... Comme et si... plus jamais, Rodri. Genre, je dors toute la journée, et je fais rien d'autre. J'ai l'impression que c'est pas vraiment moi qui guide mes... Merde, qui guide mes pas. Comme s'il y avait quelqu'un qui avait le contrôle de mon tête. C'est dur à expliquer. Comme dans Matrix. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se sert de moi. Et qui me dit quoi faire. Est-ce que tout ça est réel? Est-ce qu'on en est sûr même? Lorio. En tout cas, ce qui est réel, c'est que tu vas finir avec un homme toute ta vie, Miguel. Oh Lorio, j'ai un mini-jeu, d'accord? Faut que tu sois le plus réactif possible. Tu m'entends? 1000 plus 1000. 1000 plus 1000 3000 plus 1000 4000 plus 40 4040 plus 50 4090 plus 10 5000 mais non 4100 mais moi je savais tu es sérieux? Oui, c'est vrai. Gros con, va. Mais surtout moi encore deux cons. Non mais sérieux les mecs, je suis en train de soulever quelque chose d'important et vous faites comme si de rien n'était. Vous aussi, vous avez pas l'impression des fois de pas contrôler votre corps? Aïe. Donc, c'est que tu doutes de ce qui nous a fait vivre et du destin et tout ça. Ben oui. Oh, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me remettre en question, Vertigo. Par rapport à quoi? J'ai l'impression que c'est pas vraiment moi qui dicte ma vie. Ah d'accord. Merde! Je sais pas. C'est qui ça encore? Qu'est-ce que tu veux? Vous êtes qui vous? Ouais. Non, on est juste venu demander de l'aide. Si vous avez un 4x4 ou quoi? Pourquoi un 4x4? On a écrasé un chat et le 4x4, notre voiture s'est retournée. Là-bas là? Ouais, bah, juste dans le virage là-bas. Putain. Y'a un 4x4 garé en plein milieu de la route. Vous venez d'où? Bah, prenez une coachée et essayez de la tamponner, hein. Prenez la base, c'est le problème. Vous venez d'où, les hermano? C'est le même. Ah! Vous êtes nos ennemis, vous le savez? Reviens, vite fait, reviens! Putain, je suis trop laid. C'est bon, il est encore. Ah, merde! Milou Camilo, Spendero! Descente au quartier Vagos. Dans le Queens, dans quelques minutes, zone évitée. Ah merde. Mais tu penses vraiment que quelqu'un te contrôle, Miguel? Tu penses que qui te contrôle? J'en sais rien, tu vois. C'est comme, tu vois, moi je suis chrétien. Et c'est bizarre, mais dès que je veux dire que je suis chrétien, on dirait qu'il y a quelque chose qui m'empêche de le dire. Je sais ce que tu penses, oui, j'ai la même chose pour Par exemple, tu vois. Oh, s'il te plaît, Vertigo, change de masque. Non, comme si j'étais mal à l'aise d'être chrétien Warzone. Alors que... Ben voilà. Alors que t'es chrétien quoi. Bah oui. Ouais, quel con. Maria, tout ça. Je vais poser des herses. Les gars, je crois que Miguel il est en train de se rendre compte de quelque chose.
sais pas si vous l'avez entendu parler, mais j'ai l'impression qu'il est en train de se douter d'un truc là. Merde, mais non, pas dans ce sens-là, connard. Impeccable. Ça appelle. J'ai faim, mais t'as eu faim. Toi, t'as vraiment faim, toi. J'ai vraiment faim, ça veut dire. T'as tout le temps faim, toi. Non. Attention, attention les hermanos, il y a des herbes partout, hein. Si j'ai vraiment soif, tu parles de ça. De quoi? Ah, merci. Vas-y, tends-moi la main, s'il te plaît, parce que j'ai pas envie de. Putain. Merci Miguelito. Du coup Miguel, attention, il y a des herbes, hein. C'est qui te contrôle, toi? Mais j'en sais rien. On m'a dit, il s'appelle Wati. Qui t'a dit ça, espèce de conne? C'est lui. Non, j'ai dit imagine. Imagine. Et moi je dis Clément. Imaginez, nos persos, ils pensent vraiment que c'est des vrais humains. Genre ils ont une conscience, ils pensent vraiment que c'est des vrais humains et ils savent pas que c'est nous qui les contrôlons. Qui? Nous là? Oui, genre toi, moi, Vertugo... Et quand on fait Alt-F4, ben ils ont une vie? Non, justement, ils dorment, tu vois. Mais en gros, là, ce qu'on leur fait faire nous, ils pensent vraiment que c'est la vraie vie pour eux. Genre ils ont vraiment une conscience. Et quand je dis ça, bah, eux ils se rendent pas compte vraiment de ce qu'ils sont en train de dire, tu vois. Je m'appelle Jim. Ça serait dingue, hein. Merci. Ça serait dingue, chapeau. Oh, Riffet, je t'avais comme un loup. Toi, pourquoi t'es tout le temps noir? Hmm? Pourquoi t'es tout le temps tout en noir? Non. Ah, un peu comme les Toy Story. Hein? Non, pas vraiment. Non, puisque quand nous on n'est pas là, Miguel non plus il est pas là pour de vrai, tu vois. Peut-être qu'il est là. Mais si, des fois quand je tombe avec une chica, il est là, il fait ce qu'il a à faire. Ouais, le RP sexe, tu le fais pas. C'est vrai. Non, mais arrête aussi de tomber, Radamel. Non, moi je suis un fils de pute, vas-y, la dernière fois, la main s'il te plaît. Merci. Ça serait dingue, hein. Oui. Vous aussi, vous cogitez là? Moi, je cogite parce que ça fait grave longtemps. J'ai pas baisé. Ah! Faut que je trouve une meuf. Ah! Moi, c'est pas mon problème, tu vois. Même avec mon tête de cul, je baisse tous les jours. Oui, mais vas-y, toi, tu parles à la meuf, vas-y, c'est bien de baiser, mais après, tu fais rien. Ah, tu veux une relation sérieuse, mais pourquoi faire? Parce que t'as vu, la vie, c'est fait pour bâtir et reconstruire. Garçon. Merde, on a crevé les pneus! Merde! Putain! Pardon, c'est une zone à risque ici. Ah bah, putain. Je voulais pas ça. Merci. Faut pas te repasser par ici, parce qu'on attend les poyos, du coup, on s'est préparé. Okay. Mais c'est pas les poyos qui mettent des herbes normalement. Merci. Oui, mais nous on est comme des poyos aussi. Okay. Vous venez d'où les hermanos? On vient de nulle part ou d'ailleurs, ça dépend.
Genre des ovnis un peu. Exactement. Ouais, d'accord, force à vous. Regardez des trucs. T'entends pas la musique? Si, si, bah de base, comment ça s'appelle? Je devais le ramener. Bon, ils viennent. Ouais, moi je vais. Mais ils arrivent, ils préparent la descente, je crois. Mais en fait, oh, mais en fait, imagine, ils font une vraie descente et ils nous prennent tout ce qu'on a dans le coffre. C'est-à-dire, on prend rentre. Et ben voilà, oh merde. Moi je suis allé la poser, moi, c'est pour ça. Va, pose ça dans une voiture. Dans une voiture. C'est avec un Z, Taser. Je suis par terre à l'aide. Allez, d'or! Je suis par terre! Ah, mais tu es mort! Merci beaucoup! Bah, comme vous voulez, si vous voulez préparer avec des armes, vous pouvez, mais je vous déconseille, moi! Moi, il y a Serene Statou! Moi, je vais mettre mon pétard là-dedans! C'est fini? Bon, en vrai, ouais, parle aux hommes, hein! Moi, je meurs! Hey, Lorio! Quoi? Tu veux être une statou avec moi? Pourquoi une statue? Je sais pas, ça peut être drôle. Non, c'est un truc de con ça, tu vois, Rodri, c'est pour ça que tu vas être un habitant. Eh, regarde-moi, hein? Regarde-moi. Ah, ah. Refais-moi ça. Bonjour, monsieur. Oh non. C'est bon, je vais réparer. Faut pas passer par ici, c'est une zone à risque. Mais je savais pas. C'est pas grave. Cheveux rouges là, casse-toi. Longe bien à gauche quand tu passes sur le trottoir. D'accord? C'est bon, Miguel, okay. Sarah, il a appelé ma vie hier. Ah, ok, d'accord. Ah, il a recrevé, mais bordel, j'en ai marre. Viens ici, viens, trou de balle. Putain. Maman. Tu as recrevé encore. Putain. Mais c'est les... Mais pourquoi, comme par hasard, tout le monde passe par ici maintenant? Bon, mais non, c'est pas cool. Oui, mais pourquoi vous avez mis une herse? Parce qu'on va se faire une descente, on va se prendre une descente de Poyos. Oui, on a vu, on est venu surveiller au cas où si vous avez besoin d'aide. Eh ben, vous pouvez vous mettre par ici. Par ici, vous pouvez surveiller, il n'y a pas de herse. Ok, ben, je vais pousser la voiture, okay, du merci. Coup. C'est bon, il a réparé tes pneus, t'inquiète pas. Ah, merci. Il a mis des chewing-gums. Ok. Chewing-gum, ça va coller. Eh les Hermano, je vais me mettre d'en haut. Non, c'est pas Natios. Vous allez la faire à chaque fois, sérieux? Les Hermano, vous m'entendez? C'est parti! Il y a un hélico de militaire! Ça, ils verront pas les Hers. Non, le camion! Sérieux, non! Rendez le camion! Ah, c'est vous! Prévenez-moi s'il monte! Ha 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 ha!
Bien fait. Cassez-vous. Dégagez. Laissez le camion. Il y a un pétard dedans en plus, il y a mon pétard qui est dedans. Non, laissez le camion, il y a mon pétard qui est dedans. Ils essaient de rentrer. Ils essaient de rentrer. Ils ont tous crevé leurs pneus. Ils essaient de défoncer. Notre technique marche très bien. Le camion il tient le coup. Le camion il tient le coup les mecs. Non. Ah, je vais bien. Aïe. Ah. Je suis pas mort. C'est une porcherie ce qui se passe. C'est un carnage. Regardez-moi ça. Il y a le journaliste. Merde, non, allez, remonte. Non, on les aide justement. On est compris. C'est la guerre. C'est Nico. Notre barrio! Vous nous avez niqué le barrio! Non, nos voitures! Nos voitures! Descends. Oh, bonjour monsieur. Descends. Oui, je me rends. Allez, descends. Non, merde, pas par là! Non. Je vais bien. Tiens, maman. Accroche-moi! Ah, merci! Mais t'es complètement malade, toi. Merci. Allez, descends. Oui. Range ton truc, là. Oui, je range mon truc. Allez, pardon, descends. Je descends. Allez, devant. Merde. Quoi? Merde. Laissez-moi tranquille. Ah. J'arrive, descends. Celui-là. Oh, bonjour, monsieur le Poyos. Aïe. Parfait. Aïe, c'est bon. Parfait. je me rends. Aïe. Arrête, je me rends, je vais me tuer. Arrête. Ok. Aïe. Ouais, monsieur déjà. Oh. Keiko. Merci Keiko, merci. Ça va être dur à récupérer le barillot les mecs. Défendez le barillot. Oh Miguel. Arrête. Oh. Défendez pas le barillon. Mais oui, mais je suis ton... Restez ici. Oh. Aïe. Vite. Il faut que je me relève. Arrête, je
on se monte, on descend, on descend, on descend. Faut bouger, faut bouger. Allez, toi, je me casse. Regardez-vous. J'ai trop la... Oh, yes, yes, yes. Non, 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 non. La Yofi. Ah. Partez, abandonnez le barrio. Non, 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 non. Aïe. Cours, cours, Vertigo. Je peux pas. Le bleu est fait, le bleu est fait. Et ça, on le défend bien, le Mario, hein. Ça le défend, frère, ça le défend coûte que coûte. Notre Mario, il est trop bien, sa mère. Je sais que des pistolets là-haut. Ils ont niqué toutes les voitures. Rodrigue, qu'est-ce que tu prends? C'est Radamel. Radamel, il est en train de les... Radamel. Voilà, vous ne l'avez pas. Ils sont deux à tirer. Je vais le noyer. Attends, tire pas, Radamel, tire pas. Non, il est à côté, à droite. Tire, ok, tire. Attends, laisse-moi vous le lever, Radamel. Je t'ai fait niquer. Ah voilà, on est resté ici pendant 10 ans, là. C'est bon, Radamel. Restez au sol. Non. Attends, Bigol, il faut que je me relève. Toi, tu relèves pas, t'es mort, tu restes avec nous, toi. Il en avait 8, il est géré. Comment faire? Tu pourras pas me suivre, je bloque. Chopez-le. Let's go. Non, merde. Descends. Non, c'est pas par là la descente, c'est pas par là. Descends par la descente. J'ai dit descends. Merde. Je suis blocard. Les hermano. Allez. Le grand toit là où il y a le plein de bas. Prends le hauteur. Arrête-toi. Aïe. Aïe. Voilà. Moi, c'est bien. Ça va. Ah. Aïe. Aïe. Ah, monsieur. C'est qui ça? Vous m'avez niqué qui, ma mère. C'est qui celui-là? Ah, j'en sais rien. Miguel. Miguel. Oui. Un petit drive par la
Putain, comment ils sont? Ils ont même pas réussi à rentrer. Ou tu veux que je t'aide? Oui, ça va. Ah. Yeah. Tu m'as cassé mon tête. T'es cassé la tête? Oui. D'accord. Le camion, il a bien tenu. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de monsieur Miguel? Ouais, 10-4. Bon, bah, vous allez nous suivre, hein, monsieur Miguel. D'accord. Tu me tires pas le bé tout de suite? Tu nous suis? Oui. Allez, avance. Tiens, on a bien tenu quand même. On a hein. Bien fait chier. En vrai, t'as vu la technique du camion poubelle, ça marche ouais, bien. C'est incroyable. On peut passer là à gauche, hein, on peut passer à gauche. Viens, on peut passer là. Faut que tu fasses une saut, on peut mon passer, frère. On a ouvert le truc. Fais-t'es là, c'est de tes rangers. Oui. Ils sont mouillés à cause de tes pistolets à eau. Oui, pardon. C'est pas grave. J'en ai marre. Il va falloir que je fasse une nouvelle mise à jour du barrio. Comment vous avez réussi à rentrer? Regarde la voiture. Ah, parle le camion, putain, là. Sérieux. Mais celui-là, t'as vu, il est pas peint en jaune celui-là. Oui, ouais, t'es un peu en retard sur les patch notes là. Vous avez vu les Hells, ça vous a surpris, hein? Encore une fois, oui. Ah, comment ça, l'habitude. Alors, monsieur Miguel a raconté. Camilo, je te crache dessus. Coucou, c'est moi. J'ai récupéré. Coucou, Ace. Miguel, ils t'ont attrapé, Miguel! Oui, ils m'ont attrapé! Ils conduisent du bus, du coup. Miguel, vous avez apprécié comment j'ai récupéré le bus? Ouais, mais non, il conduit. Oui, incroyable! On va récupérer un autre. Non, mais c'est comme tu veux. J'étais quasiment sûr que ton hélicoptère il avait explosé, sale tricheur! Ah, oui, non, mais sinon j'allais aller dans ta manière. Il faut me retirer les menottes. Monte avec moi. Miguel. Nous sommes bien battus! Oui. Monte dans le bus. Ah, menotté? Ah, merci. T'es menotté là? Non, c'est bon, je suis plus menotté. Et qui, comment tu t'appelles? Et tu lui en chapeau? Moi? Ouais. C'est Lorio. Ok. Eh, s'il vous plaît, les poyos! Les poyos! On t'écoute, on est dedans. Je peux vous montrer un complice qui fait l'innocent? Juste, vraiment. Il y en a un qui est en train de faire l'innocent, il est caché là-bas. Comment ça? À ma gosse? Oui, mais non, c'est votre statue là. Suivez-moi, s'il vous plaît, suivez-moi. J'ai cassé son bras, la statue par contre. Aussi, monsieur, si vous coopérez, ben c'est bien. Oui, je coopère. Et vous parlez de qui, monsieur? De Rodri. C'est la tête du réseau. Il croira qu'on l'a oublié. Rodri! Ben c'est à cause de lui qu'on est là en plus. Ça tombe bien. Pourquoi? Merde, il était là. Attends, il l'appelle. Il s'est enfui devant moi, il s'est barré. Il a pris une voiture, il est barré la statue. Ah oui? Ouais, c'est barré la statue. T'es nos baisers, toi. Bah non, pour de vrai non. Merde. Ouais, il s'est juste enfui, vous abandonnez. Allez, venez récupérer notre ami Miguel Raconté. Allo? Allo, Rodri? Oui. Oui, viens au barrio, c'est bon, ils sont partis. Ah, ils sont partis. Miguel. Oui, viens. Non, c'est pas Miguel. Descends du véhicule. Laisse-moi. C'est bon, il est là! Non! Salut! Mais comment ça va? On rigole! Ah, bien! Il est revenu lui! Vous montez vous? Oui, c'est bon! Il est où? Ils sont en train de le poursuivre! Qui est Rodri ou? Rodri, oui! L'autre, il s'enfuit, je lui donne une voiture, il s'enfuit! Et qui est Radamel? Je suis revenu aider. Ouais, je suis venu aider. C'est un fils de pute, Miguel, tu vois? Mais quoi, ils l'ont pas attrapé? Bah non! Dis pas des noms! Radamel? Ah oui, Radamel. C'est qui Radamel? Je sais pas, il s'est enfui. Non, c'est pas intéressant. Ah, Gargamel. Gargamel, ouais. Ah, Vertigo, c'était toi la cible. Oh là là! On voulait que toi. Ah, oui. Mais bon, si on a plus de bagos, toi. J'ai fait quoi encore? Vous voulez me voir au commissariat? Tu demanderas à tes hommes. On en parlera au commissariat. D'accord. Bande de balances, là. Quoi? Que des balances, là. Toujours pas. Allez, comment ça? Ah bah oui hein. Et ouais, en les fait, balances. Je suis jamais allé en garde à vue, ça ne peut pas être moi. Ça oh, t'es un menteur toi hein. Je suis jamais allé en garde à vue. Toi, arrête de mentir, hier soir t'étais là, hier soir avec nous. Et tu nous as tout balancé, où était votre drogue, où était votre... qu'il était là aussi. T'aimes bien dire beaucoup de choses toi hein. Ça parle, ouais, ça parle, ça fait quelque chose. Attends, j'ai fait quoi? J'arrive pas à parler. Lâche-le. J'ai balancé quoi? Non, j'ai rien balancé. Je sais pas, il a dit gang de balance, tu verras, on vient de chercher chez toi. Non, c'est pas moi, promis, c'est pas moi, je crois pas. Je sais pas, 55. Enfin, je suis quasi sûr. Vertigo, tu sais pourquoi on est là? Alors, comme ça.
Bon, tu voulais ton petit rendez-vous en fait, finalement. Il a fait quoi, Fertugo? Je sais pas, on m'a dit il faut absolument qu'on chope, du coup, bon, on est intervenu, on a chopé. D'accord. Bon, y'a rien à te reprocher, toi, on va juste te poser des questions, on va pas te mettre en état d'arrestation. Même si t'as agressé des agents de police avec un cocktail Molotov, mais bon. Oui. Et des pistolets. Cocktail Molotov, c'est quoi? Et des pistolets à eau. Oui, pistolets à eau. Je pense pas que ça devant le poker, ça passe. Y'avait quoi quand même? Ah, des pistolets à eau. Oui, mais j'avais un pétard aussi dans le camion citerne. Oui, mais tu t'en es pas servi. D'accord. Je vais le noter. Comme quoi, t'étais en possession de ça dans ton quartier, mais on t'a pas vu avec. Oui. On est bien d'accord. C'est vrai, non, okay. C'est vrai. Tiens, du tiramisu. Oh, merci. Pourquoi je donne ça? C'est juste pour que tu puisses manger un truc. Bon appétit, j'arrive. Merci. Où est-ce qu'ils sont les trucs d'eau là? Chercher un truc d'eau. Bah super, il y a de l'eau partout. Bon. Oui. C'est qui le plus grand gangster? C'est moi. T'es sûr? Oui. T'as fait quoi récemment là? Qui mérite d'avoir le grade d'un grand gangster là? T'as fait quoi récemment depuis le braquage de banque? Il braquait la banque. Et mais à part ça? Il kidnappait le réfé des Hoover. C'est vrai? Tu lui as fait quoi? On lui a fait la misère. Vous lui avez fait quoi comme misère? On lui a fait la misère pour qu'il avait volé des trucs. En même temps, si vous lui voliez des trucs, non, mais qui se venge pour voler des trucs? Non, 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 c'est lui qui avait volé des trucs. Mais vous rappelez, quand je vous ai demandé, vous vous êtes procuré les armes comment? Vous m'avez dit, on les a volés au vert. Ah oui, c'est vrai. Après, qui se venge. Après, il s'est vengeur et après, on s'est counter-vengeur. Ah ouais? Oui. Du coup, lui avait fait quoi? On lui a posé des questions. Après, on lui a dit. C'est pas un criminel, ça. Après, on lui a dit, rends les armes. Non, là, c'était plutôt calme ces temps-ci, là. Ah ouais? Y'a pas de torture du coup? Non, pas de torture, non. C'était un kidnapping en bonne et due forme. Genre juste vous l'avez pris avec la menace, vous l'avez amené en endroit, ouais. Vous l'avez posé des questions. C'est ça, oui, il a fait une guet-apens. C'est nul. Bah toi attendais quoi? Bah je sais pas. J'aimerais bien t'y voir toi. Toi tu es une poyosse, toi ton gilet pare-balles, tu es pas dans la rue, tu connais rien. Bah si, je sais que t'as des cocktails moto, je sais que t'aimes bien le feu et sois imaginatif. Tu voulais que je brûle? Ah, tu fais un sac de feu autour de lui, tu le fais cracher le morceau. Mais avec classe, quoi. Mais il a craché. Ah, mais il a craché parce qu'il en avait marre. Ah, parce qu'il avait peur. Par contre, tu vas me donner une idée de fou. C'est vrai, j'aurais pu faire tu ça. Tu prends un bidon d'essence, tu l'assis sur une chaise, oui, tu fais un rond, tu tires par terre. Oui, ça dégole. Oui, des balances, des vagos. Oui, trou de balle. Est-ce que Vertugo est le chef de. Ne coupe plus jamais la parole à Ace quand il s'adresse à moi. Miguel, je vais mettre ta tête dans ton cul si tu continues. Tu n'as pas les couilles. Ça c'est pas bon ça. J'ai vraiment les couilles. Tu n'as pas les couilles. Que... Donc Vertugo, est-ce qu'il est chef de ce banc? Je te dirai pas, il n'est pas une balance. Et tu nous dis, t'es libéré. Oui, il est refait. T'inquiète. Mais pas ce soir. Demain, tu es libéré. Ah. Pas de soucis. T'avais pas demandé les autres consignes. C'était bon. Oui, monsieur Cusado. Du coup, Vertugo, il fait quoi en ce moment là? Il fait rien, il essaie de trouver, de pas aller en prison et de faire de l'argent pour qu'on veut repartir à Los Santos. Mais il nous faut 5 millions de dollars. Il a braqué la banque avec toi pour se faire de l'argent? Je te dirais pas, pep. Non, il a pas braqué. Il était où? Dans le braquage? Il était avec ma mère. Ah ouais, il était où avec ta mère? Dans sa chambre. À Los Santos? Non, à Liberty City. Où ça, à Liberty City? Dans le barrio. Ok. Tu te souviens de ça? Parce que c'est pas du tout ce que tu m'as dit. Qu'est-ce qu'il veut encore ce connard? Qu'est-ce qu'il veut? Monsieur Rodri Flores. Il fait partie. C'est un petit lui? Non, lui c'est le grand réfé. Le grand réfé? J'ai des informations qui me prouvent le contraire. Donc soyez... En gros, il y a le réfé. Moi je suis géant réfé. Rodri il est grand réfé. Et Vertugo il est réfé. D'accord, c'est pas les informations que j'ai et c'est pas ma question. Est-ce que c'est un petit, oui ou non? Ah non, Rodri, c'est pas un petit. C'est en gros, quand Vertugo il est pas là, c'est Rodri le chef. D'accord, je comprends mieux pourquoi il veut l'évincer du coup. Ah ouais?
Il est charismatique, Rodri. Tu as vu sa grosse voix? Je sais même pas c'est qui. Est-ce que les membres de ton groupe là, ils ont fait des trucs pendant que t'étais pas là? Non. Par exemple, s'attaquer à un policier, s'attaquer à un bâtiment gouvernemental. Participer à des manifestations. En gros, quand moi je suis pas. Moi en général, je suis celui qui est tout le temps là. Ça veut dire. Si eux ils sont pas là, moi je suis là. Par contre, si moi je suis pas là. Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que moi je suis plus souvent là que eux ils sont là. Ça veut dire. Ils font pas des trucs sans moi, tu comprends? Ouais, je vois. Alors, quand il y a le braquage, c'est parce que t'étais là. Sans toi sinon. Oui, c'est moi qui les ai incités à le faire. Ah oui, c'est toi qui as élaboré le plan du coup? Oui. Je pensais qu'il y avait un maître braqué chez vous. Un maître braqué? C'est le pro braquage. Oui, c'est l'Orio. Qui est tout petit donc. Ouais, c'est l'Orio. Le petit du quartier. Oui. Qui a un génie dans les braquages. Oui, c'est l'Orio. Mais du coup, c'est toi qui étais à la tête du plan du coup. C'est ça, oui. Et comment t'es venu cette idée? Il me fallait de l'argent. Tu t'es levé un matin, tu t'es dit, vas-y, je vais faire une pacifique. Oui, c'est vrai, c'est ça. En plus, c'est vrai, hein. Pour de vrai. Oui, c'est vrai. J'ai peur, un jour tu vas vouloir sauver le gouvernement, on va rien comprendre. Bah, il y a un gouvernement en place là? Ouais, il y a Emory. Ah oui, c'est. Emory, c'est celui qui est gentil? Ouais, c'est celui qui est doux comme un agneau. D'accord. Oui, je pourrais. Oui, c'est vrai que je pourrais, hein. Bah, non, t'attaques pas lui, c'est un amour. C'est déjà fait attaquer le PDP, par contre. Oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Ouais, tu faisais partie des gens qui ont fait ça? Oui. T'as aidé? Oui. Vous avez fait quoi? Bah, je suis rentré au PDP et il a braqué tout le monde. Ok, quand? Avec quoi? Et comment? C'était il y a 2 jours. Avec quoi? Avec des pétards. Mais avec quel type de pétards? Des AK-47. Des AK-47? Ok. Et pourquoi? Parce que je suis un gangster. Ah oui, bah là, oui, là, t'as le titre du plus grand gangster. Oui. Mais t'as été payé pour faire ça? Ou juste tu l'as fait pour le fun? Non, il est fait pour le plaisir. Mais t'as même pas été payé. C'était mission risquée, hein. Oui, c'est vrai. Mais soit, s'il y avait les militaires. Mais ça s'est bien passé, non? Ouais, en vrai, ouais. Juste, les mecs qui se sont démasqués, ils sont recherchés number one. Tu as dû faire ça démasqué, on doit rechercher aussi. Mais c'est pas vrai, j'étais pas là. Allez, ah bah, tu vois, c'est pour ça. Donc, je l'aurais eu si t'étais là. Par contre, au convoi d'armes. T'étais là. Peut-être bien. Tu vas pas me reparler comme. Non, je n'étais pas là. Peut-être que ce plan est sorti de mon tête, j'en sais rien. 56, je peux m'asseoir? Oui, bien sûr, tu peux t'asseoir. Assieds-toi, pourquoi tu restes debout? Pourquoi tu as le visage brûlé toi aussi? Vous avez tous brûlé ou quoi? Oui, c'est compliqué. Tu me copies? Oui, toi tu as fait quoi toi? Tour de balle? Moi c'était un accident de voie, une voiture qui a explosé à côté de moi. Ah merde. Oui. Toi, c'était un lance-flamme. Toi c'était un lance-flamme, Ace? Ouais, on se demande bien à qui appartenait ce lance-flamme. C'était moi? Oui. C'est moi qui t'ai brûlé? Oui. Ah merde. Ouais, c'est faire ça à 56. Sérieux? Merde, pardon. Oui. À l'université, pendant un spectacle. Ah oui, c'est vrai. C'était il y a longtemps. Et du coup, comme j'assume pas que c'est toi qui m'as fait cette trace, j'explique à des gens que j'ai sauvé une meuf pendant qu'on était dans une morgue et qu'il y avait des invasions de rats. Du coup, je l'ai protégé, on s'était enfermé dans une salle et j'avais un lance-flamme. En vrai, ça va, c'est pas horrible, ça te fait un petit truc. Ouais, tout le monde dit que j'ai une belle cicatrice. Même si j'ai un peu le démon que c'est toi qui me l'as provoqué. Oui, c'est vrai, mais... Tati, c'est un lien entre toi et moi. Au moins, tu l'oublieras jamais. Bah oui, c'est sûr, je vois ma gueule, je pense à toi du coup. On se drague, on est d'accord là. Je préférerais penser à quelqu'un d'autre. Pas un clone tueur, c'est plus intéressant. Oui, c'est vrai. Moi, Miguel, j'ai l'impression depuis que j'ai dit que c'était ta faute. Ça te rend un peu bizarre, perplexe. Bah, je culpabilise. Tu culpabilises? Bah, tant mieux. T'as fait du mal à quelqu'un. Bon, ça, j'ai pas souffert longtemps. Ouais, pardon. Mais dis-moi, c'est Mariam Youssou. Oui, c'est délicieux. Super. Y'a des questions toi à ma gauche? Apparemment, il aurait peut-être participé à un convoi d'armes. J'étais pas là, j'en ai peut-être des informations. C'était un convoi d'armes qui s'est fait péter, je crois, non? Oui, hier. Hier? Oui. T'as des infos par rapport à ça? Est-ce que t'étais là, toi, hier? Non, moi, j'étais pas là, juste pour ça. Et toi, Miguel? Moi? Oui, j'étais là hier. Mais est-ce que t'étais... C'était toi et toute ta bande? Non. Et sûr? Oui, sûr, oui.
que ça, ça ressemble exactement à ce qui s'est passé ce soir devant votre quartier. C'est-à-dire ? On a eu des pneus crevés. Oui, ça c'est moi, ça c'est. Ça c'est. Ça, c'est... Ah ben. Ça c'est ma spécialité. T'es là hier ? Bah du coup, c'était toi hier. Bah, le raccourci, il est un peu rapide là quand même, hein ? Bah non, je demande, je pose une question. C'est Mario Kart 8 ? C'est un mirage. Là. Non, je demande, je pose juste une question. Eh bien, en effet, c'était bien moi. Vous voyez, il n'y a pas besoin de s'énerver. Il n'est pas énervé. Je suis pas énervé. Tu l'as pas vu énervé. J'ai cru qu'il était énervé. Non, promis, je suis pas énervé. Promis, vous êtes pas énervé. Promis. D'accord. Ah bah attends, mais il me dit pas que t'as peur du Miguel quand même. Pas que tu aies peur, c'est pas le poyos. Non, j'ai pas peur, non. Ça fait 5 ressaisis. Oui. Non, j'ai pas peur. C'est qui a réussi à débloquer 55 000 là ? Pour te dédommagement. Oui, c'est quand même moi, ouais. Oui, allez, oui, c'est toi, c'est toi. Prends tes couilles demain. Et confiance en toi, trou de balle. Impose-les. Oui. Bon, qu'est-ce que t'as fait hier ? Bah rien. Tu viens de nous dire que c'était toi ? Non, les Hers, c'était moi. D'accord, les Hers. Et du coup, t'étais pas sur le convoi hier ? Moi, en gros, il y a des ombrés. Ils m'ont appelé. Oui. Et quand je suis arrivé au rendez-vous, ils étaient masqués tout habillés en noir. D'accord. Des accents ? Non, pas d'accent. Ils étaient habillés tout en noir. Je les connais pas. Après, t'as ils m'ont dit. Pas d'information sur eux. Il faut que tu viennes et que tu poses des Hers à cet endroit. Du coup, moi, j'ai dit, d'accord. Je suis venu, j'ai posé des Hers. D'accord. Et ils t'ont promis quelque chose pour avoir fait ça ? Ils m'ont promis 5 000 $. Uniquement ? C'est de la merde. Bah ouais, c'est pas cher payé pour ce que tu as fait. Pour une R, sérieux ? Je crois que la R coûte plus cher que ce que t'as eu. Hein, ça coûte combien ? Ah, je crois que non, une R, ça coûte cher. On a même pas. Tant qu'on a, elle fonctionne pas. Et après, c'est pas les pneus. Ah oui ? Je crois que c'est du caoutchouc. Ouais, c'est des R sans caoutchouc qu'on a. Mais non, mais c'est pas les bonnes R ce que tu as. Ah, t'as des vrais R, toi ? Bah oui. C'est quoi ton fournisseur ? Attends, regarde, c'est ça. Moi, les Hers, je les prends directement comme des barrières. Bah oui, moi aussi. Non, c'est pas ça, hermano. Tiens, regarde, fouille-moi. Ah merde. Ben, regardez. Que vraiment, je savais pas qu'on avait ça. Ah, ok. Et tu les poses par terre. Ouais, j'ai passé commande alors. Qu'est-ce que tu veux, toi, connard ? Toi, qu'est-ce que tu veux ? Toi, qu'est-ce que tu veux, connard ? Pourquoi tu me regardes, tu me fixes ? La dernière fois qu'il y a des gens qui ont joué à ce jeu, ils sont restés comme ça pendant 6 heures. Il veut voir mon avocat et mes amis. Ah, tu veux un avocat ? T'es pas en état d'arrestation. Tes amis ils sont dans leur cellule là-bas. Bah, je peux sortir alors si je suis pas en état d'arrestation ? Bah, en soi, des charges retenues contre lui ou pas ? Bah oui. Alors, on me les a pas transmises, hein. Pour moi, c'est une seule question. Bah, dégradation du bien public. Et après le reste, faut que je redemande à Camilo. Parce qu'il a quand même aspergé des agents de police avec des pistolets à eau. Il a balancé plein de cocktails sur les voitures et crevé les pneus de toutes les poyos. Ouais, non, il n'a pas fait ça. Ouais, donc, et j'ai brûlé des poyos aussi avec non, les cocktails Molotov. Collègue, ça, non, collègue, ouais. Il y avait que moi qui avait des cocktails Molotov. C'est terrible. Je sais pas que t'avais fait ça. Et un bon pistolet à eau, bien fait chier. Oui. Ouais, le pistolet à eau, c'est chiant. Oui. Oui. J'ai failli me noyer dessus. J'ai vraiment failli me noyer. Ils ont noyé mon hélicoptère pour tout dire. Ah oui, l'hélicoptère il a été noyé. Pour de vrai ? Ah oui, bah oui. Alors, vraiment, quand je me suis posé la première fois, c'est parce que vous aviez noyé le moteur. Vous étiez à droite dessus, hein, éclos. Eh oui, ça tricheur. Tu veux un avocat ? Non, merci. On pourrait avoir une. Merci, mais pas d'avocat. On pourrait avoir une conversation entre nous, du coup. Ce n'est plus un interrogatoire, c'est une conversation entre nous. D'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, monsieur Miguel, j'ai des questions à vous poser. Ramenez-moi un burger, je vais faire. Je veux pas une pizza ? Sachant que tu n'es pas en d'arrestation, pardon, tu n'as pas besoin d'avoir un plateau repas. Quand j'ai faim, je suis moins bavard. C'est vrai. Ok, ramenez-lui à manger. Merci. J'ai un vieux sandwich qui traîne dans ma poche. Parfait. Ça fera l'affaire. Donne-lui un sandwich. Tiens. Merci, je mange en même temps. Bon appétit. Merci. Du coup, monsieur Miguel. Lève-toi, que je le donne. C'est bon, hermano, merci. Oh. Du coup, monsieur Miguel, quelle est votre place au sein des Vagos ? Votre vraie place ? Je suis le réfé. Négatif, c'est pas vous le jefe, c'est Vertigo. Oui, ça c'est ce qu'on veut te faire croire. Oui, mais sachant qu'on a des informations d'Evagos de chez vous qui a parlé ici même à cette place même. D'ailleurs, vous êtes pas assis au bon endroit. Vous face à la caméra, s'il vous plaît, de l'autre côté. Et je suis même pas considéré que je suis un habitant. Dépêche-toi. Tu parles à moi ? Exactement. Ok, j'ai plus envie de parler.
Bien sûr, parce que là, Vertigo, il va tomber si tu parles pas. Pourquoi il tombe? Il a rien fait. J'ai peut-être réussi. Il a rien fait, si, malheureusement. Comme je t'ai dit, un Vagos a parlé. Où c'est Landry? Négatif, je ne peux pas divulguer qui nous a fait les aveux. On le sait très bien, t'inquiète. Après, ça, c'est votre problème, c'est pas le mien, mais je ne peux pas vous dire qui a parlé. Ouais. Mais tout à fait, un Vagos nous a stipulé que Monsieur Vertigo était votre effet et que c'est lui qui avait planifié l'attaque de convoi d'armes récemment. Hein? Il a vraiment dit ça? Je vous promets, Monsieur Miguel, oui. Mais c'est même pas vrai. Après ça, c'est pas mon problème. Mais j'en ai marre. Non, mais qui monte pour défendre Vertigo, je comprends. Mais qui monte pour le faire tomber? Et ça, c'est problème de votre gang, c'est pas mon problème, Monsieur Miguel. Putain, mais il est trop con, il va mourir pour rien. Qui? Mais Rodri. C'est Lorio qui nous a dit. Non, c'est pas Lorio, c'est Rodri. On va jamais arrêter, lui. Il nous l'a dit qu'il nous l'avait dit. Et c'est pas lui, bon. Je m'en fous. Que ça va faire. Bref, quelle est votre place au sein des Vagos? Je suis le réfet. Plus sérieusement. Vous êtes un grand, un petit, un moyen. Je suis un moyen grand. D'accord. Est-ce que vous avez participé à... Mais Miguel, attends. Tu m'as pris en otage, ton enfoiré. Quand ça? Enfin, y a pas longtemps. Quand ça? Avec l'aide des Cusado et des Bikers. Ah oui, c'est vrai! Alors, tu vas mieux? Et des SMM, je sais pas quoi là. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, y a pas eu de suite à ça. Eh ben, elle est à la suite, du coup. Vous pouvez le placer en état d'arrestation, s'il vous plaît, Kairon. Oui. Tu peux je vais le faire sans... Tout à fait. Tu peux refaire la procédure à zéro. Et je le ramène là-bas? Tout à fait. Il est placé en état d'arrestation pour prise d'otage. Oui. Je continue à manger mon burger. Je suis lycée droit, du coup? Tout à fait, prise d'otage. Merci hein, de coopérer, Miguel. T'es Pourquoi bon. Pourquoi tu as mis autant de temps pour me le trouver? Parce que malheureusement, il n'y a pas que toi dans la vie. Avec toi, ça aurait été simple. Et beaucoup d'affaires en cours. Non, mais j'avais pas de me faire. Moi, je me fais pas arrêter. Ils se font arrêter, frère, c'est trop nul. On tombe ensemble. J'avais carrément oublié. Merci, Miguel. Et bon, continue. Allez, s'il vous plaît. Oui. Vous avez une carte d'identité sur vous? Non, j'ai pas de carte d'identité. Bah, ça va être compliqué. Allez, on va la faire. Allons-y. Comment ça va être compliqué? Bah, il me faudrait la carte d'identité. Allez, on va la faire. Allez, viens avec nous. Il est bon ce burger hein? Ouais, c'est un geladal. Ah là, la prise d'otage, Miguel. Sur agent fédéral. Ouais. Je suis mort? Viens dans la merde. Du coup, vous m'avez pris en otage pour l'accusado, c'est ça? Tu veux m'interroger maintenant ou après? Je te pose des questions, là. T'as le droit de pas y répondre. Ben, je crois que tu sais déjà pourquoi on a pris en otage, non? Oui, mais j'ai envie de l'entendre. Non, il y a pas ce que je te dis pas. Ok, c'est ton droit. Il te fait s'arrêter, mettre l'essence. Bordel, c'est trop dur. Tu es dans la voiture qu'il essaye de voler, le loser. Allez, descends. Merde, tu es là, toi. Tu peux descendre, quand même. Bah, allez, descends. C'est bête que je te tire dessus. Oui, je descends. Merde.
10-4. Allez. Oui. On dans le véhicule de flic derrière. Oui, je monte. On va te rajouter la tentative d'évasion, hein. D'accord, pardonne. On a l'essence du coup ou pas? Non, mais il abuse. Fils de pute, tu m'as fait. C'est bon, j'en ai marre, je suis trop nul, c'est bon. Tic, je suis occupé là. J'abandonne, c'est bon, je me rends. C'est bon. C'est bon, Miguel. Truc de fou, sérieux. Je m'injecte. C'est trop dur aussi de voler une voiture. Je vais me mettre à côté de lui pour le tenir. Bon, on fait l'essence ou pas du coup? Non, c'est bon, j'en ai mis un peu. Putain, le relou. Pas la mairie, hein. Ah ouais, c'est vrai, sur la mairie. J'ai pas les clés. Oh, c'est j'ai pas les clés de la leur. Non, je l'aurais pris. Bah, la mairie. Mais c'est la mairie l'ancienne, pour la carte. Vas-y, conduis, je suis pas sûr. Eh ben, si tu passerais plus ton temps à travailler et pas draguer des meufs, tu connaîtrais. Pas fini. Ouais, désolé, je suis trop. C'est vrai que c'est pas fini, hein. Je suis accro. La mairie, en gros, pour te repérer, enfin, l'ancienne, c'est à côté de l'église, là qui est à droite. Ah, c'est parce que le GPS, il est pas à jour aussi, ça me stresse. Allez, descends, mon beau. Attends, j'ai fini mon burger. Ok. Tout le monde m'appelle, il se passe quoi? J'ai Chi qui m'a appelé, Cusado. Merde. C'est fait à lui, ça va être bon. Prise d'otage agent de l'État. Ouais, lui c'est prise d'otage en général, moi-même. Moi je voulais pas vraiment de prendre en otage, moi. Mais tu l'as quand même fait. Oui, c'est vrai. Et lui aussi, il était pas dans le convoi un ancien? Ma prise d'otage, faut pas laisser passer ça. C'est bon, j'ai ma carte. Vous vous rappelez pas? Bah du coup, mon cadeau. Ah. Depuis, t'es où? Kéron, il doit être dans un buisson, mais je sais pas lequel. Allez, là, il est là, je prends. Je suis dans un petit bout jeune, là. Non! Il m'a pas vu. Je crois que je l'avais vu. De tout le temps, je crois que je l'ai vu, mais je l'ai vu. Non, j'ai une torche. Let's go! Tourne en voiture. Parce que peut-être il est pas dans les buissons. Ouais, j'ai entendu. Mais c'est pas fini, Mais si, il est vraiment encore dans les buissons, c'est impossible de savoir si. Je suis un roi, je suis Miguel, racontez le roi. Ah bah juste ici là. Il est dégoûté. Je lui ai dit, il fallait que je mange. J'ai l'impression que je vois un propète. Tournez autour de la mairie. Il va bouger. Prenez tous les appels. Il va bouger, les mecs. Hein. Pistolet.
Ici ? C'est trop fort cette merde. Oui. Aïe. Merde. Aïe non. Allez on t'a contré. C'est bon, je me rends. Aïe, je me rends. Voilà, allez. Oh, mais non. T'as mis, ils y seront, ils... Aïe bon, arrêtez avec le truc à haut. On est des flics, bordel. C'est bon, je me rends, je me rends, je me rends. Si Hermano, Hermano, j'ai volé une voiture de une coche de poyos. Quelque chose de confort. Monte, Hermano, monte. J'arrive pas. Si, dépêche-toi, dépêche-toi. J'arrive pas. Non. Ouais, non, mais bouge pas, bouge pas. Ouais, barre-toi le vagos, ça, fils de pute. Hein. Mais c'est encore moi. Oh, connard. Il est allé sur Aniki en plus. Non, sérieux. Décale. Avec quelqu'un de melote, s'il vous plaît. Ah, ok. J'ai des melotes, mais faut qu'il sorte de là. Let's go, j'avais dit que ça allait réussir. Allez, on le prend. Merde, putain, j'étais où Jedi, sérieux, j'étais où Jedi. Et tu t'es caché où? J'étais où Jedi. Fils de pute, il m'a envoyé quoi? Il m'a envoyé. Quoi, il a envoyé un message? Je suis un roi, je suis mieux que le raconter. Bon, vas-y, attends, je t'attends, j'enlève tes menottes. Ah oui, d'accord. Je les desserre, quoi. Allez, vas-y. Genre des barres, sérieux. Ton amigo, il est trop fort, oui. Il a vu que tu utilisais un truc à haut, ben. C'est pas conforme, nous on n'a pas le droit de l'utiliser. Je suis le goth, Armando, je suis le goth. Ah, le goth. Surtout le prisonnier. Ouais, bientôt. Là, pas trop le goth là, hein. Peut-être le goth de la prison bientôt. Mais... Je serai le goth de la prison. On va pas te mettre en prison, toi. Ah oui, pourquoi? Peine de mort, toi. Bah arrête, n'importe quoi, tu abuses, n'importe quoi, arrête, dis pas ça. Dis pas ça. C'est pas vrai. Désolé, mais... C'est quoi ça? C'est des petites voitures. Tu vas recourir? Non, c'est bon. Ah, c'est bon, Herbado. Tu peux m'enlever mes menottes, s'il te plaît? Mais tu peux marcher, mais menotté, viens. Mais non, mais ça m'énerve, ça me donne pas envie de marcher quand je suis menotté. Ben marche avec tes pieds et pas avec tes mains. Non, s'il te plaît, enlevez-moi les menottes. Allez. Tiens, fils de pute. Non, c'est faux. Tu restes menotté. Merci. Allez, mets-toi contre le mur. Présente-nous la carte d'identité. Tu veux pas faire ces droits, Turner? Non, j'en ai déjà fait. Putain, j'en ai... Moi, j'y vais pas, j'arrive pas. Ah, tu arrives pas. Mais tu veux voir la carte d'identité? On retient pas. Tiens. Nico l'a raconté. T'as vu comment il se bosse sur la photo quoi? Pourquoi tu te mords les lèvres sur la photo? Ah, c'est vrai, c'est vrai, pourquoi je me mords les lèvres sur la photo? Attends, remontre. Il se mord les lèvres sur la photo. Oui, c'est vrai. Putain, mais t'es bizarre toi. Il voulait être tout mignon là. Il voulait être le beau gosse. Et pourquoi je suis à 2005 et je suis pas à 2005? Et c'est bon, il est hein, très jeune. T'es prêt à entendre tes droits? Non, mais oui. Il est pas majeur. Du coup, monsieur Miguel raconté. Nous sommes le 26/07/2022. Oui. Il me refait péter. Moi aussi. S'il vous plaît, bougez. Mais toi, t'as fait quoi pour être là? Il a volé une voiture. Ouais, mais t'es grave con. Lui, toi, t'as des graves con, toi. Vous voulez rigoler de ce qu'on... Vous voulez entendre un truc marrant? Quoi? Il y a littéralement Vertigo qui vient de s'endormir dans sa cellule. Là, pour de vrai, il dort. Viens, Miguel, là. Oui. Ça arrive quand? Vraiment? Un loser, ce mec. Mais reste là, là. Toi, là. Hein? Du coup. Monsieur Miguel raconté, nous oui, sommes le 26/07/2022. J'espère que vous n'allez pas fumer l'eau, hein. Ferme ta gueule, Camilo. Vous êtes arrêté pour les faits suivants, prise d'otage sur agent d'État. Vous avez le droit de garder le silence et on s'assurera tout ce que vous direz pour être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit d'un avocat et d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat sera fourni gratuitement durant chaque interrogatoire pour que vous décidez à aucun moment de ses droits. De répondre à aucune question ou de faire aucune déposition. Il y aura une séance médicale ainsi qu'un plateau repas. Avez-vous compris vos droits? Pourquoi faire? Y compris 5 sur 5. Ok, tu souhaites exercer l'interro ou pas?
Non, pas pour l'instant. EMS, avocat, nourriture. Non, pour l'instant, tout va bien. Ok. Pas d'avocat pour une prise d'otage sur agent fédéral. Ah, il a dit non. Si. Même si Miguel a raconté. Enfin, pas pour l'instant, je peux l'appeler après si j'ai envie. Oh, Miguel. Oui, Rodri. C'est Lorio. Tu vas mourir. Ta gueule, toi. C'est Lorio. Je crois ses affaires ou. Fouillez-les, prenez vraiment tout ce qui. Ah, ouais, mais on a plus de place après. J'ai plus de place. Non, mais c'est bon, c'est bon, oui, tu me prends tout. Vous allez pas encore me mettre une amende, j'en ai déjà 3. 10 000, 100 et je sais pas quoi. Alors, votre pistolet à eau. Oh, Hers. Qui c'est qui m'a mis une post-it dans la poche avec marqué belle lunette, tu veux baiser? Oui, non. Quoi? Regarde le post-it que j'ai dans la poche. Il y a beaucoup de solutions. Je crois qu'ils savent pas qu'il y a une limite. Allez, venez, Miguel. Oui. Déposez vos lunettes, s'il vous plaît. Non, s'il te plaît. Si, on sait jamais, s'il te plaît, Camilo, je coopère, mais je garde mes lunettes. Non. Là, sur ses lunettes, il va pas les mettre dans son cul. Merci. Alors, Miguel. Pour la suite de chaussures aussi. C'est un peu embêtant, je sais, mais. Oui, tiens. En tout cas, je me suis réveillé, je me suis endormi et je me suis réveillé, je suis encore en prison. Si vous dormez, vous voulez qu'on aille où? Bah, comme d'habitude, hein, tu connais. C'est toi qui m'as mis le post-it. Là, sympa tes lunettes. Du coup, monsieur, vous décidez pas d'avocat, on peut faire le vrai interrogatoire cette fois-ci. D'accord. J'ai qu'une note Miguel qui avait les mêmes. Je suis meilleur que lui. Mais quoi, il va à peine se faire interroger. Bon, il n'arrive pas, moi. Du coup, Verdugo. Non, il t'entend pas, c'est un sonorisé, je crois. Du coup, vous pouvez vous asseoir, monsieur Miguel, raconter. Verdugo, c'est Lorio. Ouais, c'est Lorio. C'est Lorio. Monsieur Miguel, raconter, pourquoi m'avoir pris en otage? Parce que j'aime pas ta sale gueule. Ok. Mis à part ça. Merci. Vous n'allez pas me dire que les SMM n'aimaient pas ma sale gueule aussi? Je crois que les SMM n'aimaient pas ta sale gueule non plus. Donc, pourquoi tu m'as pas laissé au SMN du coup? Oui. Ils auraient fait le taf eux et pas toi. Oui. Et pourquoi m'avoir refilé du coup à la famille Cusado? Je ne connais pas la famille Cusado, pardon. Sachant que vous m'avez donné à quelqu'un de chez eux qu'on a arrêté juste après, vous allez dire que vous m'avez refilé à un inconnu. Ça ne me dit rien, la famille Cusado, pardon. Décidez de ne pas coopérer, monsieur Miguel. Non, je décide de vous dire que je ne connais pas la famille Cusado, ce qui n'est pas pareil. Vous savez, tout ce que vous dites en interrogatoire pourra être retenu. Vous savez, monsieur Camilo, moi, je suis un homme de main, je suis téméraire. On m'appelle, on me dit, faut que tu fasses ça. Moi, je fais. Pourquoi je le fais? Tu comprends? Vous admettez que la famille Cusado vous a appelé pour le faire. Mais non. Je ne savais pas pourquoi. Il vient te dire que je ne connais pas la famille Cusado. Ok. Et vous connaissez l'individu qui m'a pris du coup? Non, il ne le connaît pas. Pourquoi m'avoir donné un individu que vous connaissez pas? Ce n'est pas moi personnellement qui le vous ai donné, monsieur Camilo. Et qui? Il n'en sait rien, c'était mes complices. Vous avez du caca sur la tête. Qui sont vos complices? Hector. C'est bizarre, tu m'as pas dit la même chose quand j'étais en prise d'otage, Miguel. Oui, mais là j'ai envie de dire la vérité, j'ai envie de me confier. On t'écoute, vas-y, explique-nous l'histoire du coup. Il s'appelle Hector Salamanca. Et il est dans le business de la méthamphétamine. Quelqu'un connaît Hector? C'est un vieux dans la méthamphétamine. Il a un fils qui s'appelle Tuco. Vous avez rencontré vous ce Hector? Dans le désert. Je vais lui crever un œil. Pourquoi? Il y a de notre gueule, toi. Pourquoi? Ah, tu viens de Santos, toi? Oui. Mmh. Et ce Tuco Salamanca, okay. Nous a kidnappé, moi et mon associé. Non, non. Un certain Jesse. D'accord, mais pourquoi il me voulait ce Tuco? Apparemment, tu faisais de la bonne méthamphétamine. Toi? Oui. Ah, excuse-moi, monsieur Miguel. Comptez, hein, mais si je ferais de la méth, je pense que je serais déjà au courant. Et je pense de deux que je serais pas flic. Surtout dans la 2A, qui contre les trafiquants de drogue. Écoute-moi bien, Hank. Tu crois que je n'ai pas compris ton petit jeu?
Je crois qu'il a pas vu Breaking Bad parce qu'il a pas, il a peur d'avoir saisi là. Mais à qui tu parles, fils de pute? Mais il parle à toi. Je crois qu'il est fou. Hein. Je crois qu'il y a personne qui a vu Breaking Bad. Tu t'appelles Hank, arrête de me bluffer, c'est très bien qui tu es. Vous avez besoin d'un MS, Miguel? Miguel. Il sait très bien de quoi je parle, il sait très bien. Déjà, je jure, hein. Kéron et Ace, je sais pas de quoi il parle. Moi, j'ai la ref. Il fait semblant, les Hermano. Tu sais toi, il parle toi. Ouais. Vas-y, je te laisse continuer, la regarde toi. Mais la Mette, c'est, t'as pas la ref, la Mette, c'est un gars dans le désert. Non? Non? T'es pas là, moi, j'étais pas à Los Santos, moi. Réfléchis, Breaking Bad. Un mec de. Ah, dans mais j'ai jamais vu, moi, Breaking Bad. La Mette la plus. Mais tout est sérieux? La tête de ma mère, j'ai jamais vu Breaking Bad. Quoi? Oh mon dieu. Ni Peaky Blinder, ni les trucs de merde comme ça. T'es agent de la théorie, t'as pas regardé. Ah non. Non, il veut devenir fou là, sérieux. C'était... Bref, on peut reprendre cet entretien. Bref, sérieusement. Là, je viens de te prendre une masterclass et tu n'as pas la ref, je suis dégoûté. Bah, excusez-moi. T'avais la ref, Kéron? Non. Oh mon dieu, deux agents de la DOA qui n'ont pas la ref. Je me disais, il réagissait pas aussi. Faut l'avoir vu pour être dans la DOA ou. Bah, t'apprends plein de trucs sympas. Je suis en interrogatoire avec un fils de pute, j'arrive. Désolé. Hein. Bon. Dis-lui que c'est Miguel. Il m'a dit de te dire que c'est Miguel. Non, mais. Ouais, c'est Miguel. Je suis en train de tout balancer, Miguel. C'est la merde. Au revoir. Petite réputation de balance. C'est pas grave, je l'ai déjà. Ah bah, calme. Du coup, bon, c'est Miguel. Bon, je dis la vérité. En gros, il y a une ombrée qui s'appelle Ned. Ned Stark. Lui, il nous ça, a. Ça, j'ai la rêve, fils de pute. D'accord, bon. Je vais te dire la vérité. Il est quelle heure? Il est 2h du matin, mais il me pète pas les couilles. Je vais te dire la vérité, c'est bon, je dis la vérité. Il se trouve que j'ai un frère. Qui s'appelle Michael. Allez. Profil. Oui. Écoute, Michael. Je crois que je vais te les. Détention provisoire le dernier pour toi. Bon, ok, d'accord. Il va faire 1000 pierres, hein, je pense. C'est bon. En fait, oui, tu as un ça, frère qui. Tout ça est de la faute de mon père. Il s'appelle Homer. Je comprends. Oui. En gros, moi. Mais c'est des vagos, ils sont jeunes. C'est vrai, c'est cohérent comme histoire. J'ai une petite sœur qui s'appelle Lisa. Et elle. Et l'autre qui s'appelle Maggie. Oui. Oh, tu connais ma famille ou quoi? Ouais. Oh, t'es complice? Ouais, de ouf. Sérieusement, monsieur Miguel, il est assez tard, je dois aller rejoindre un très gros monsieur chez lui. D'accord. S'il vous plaît. Écoute, il y a fort longtemps, un certain Marty m'a demandé de faire une voiture pour voyager dans le temps. Qui dans le temps, ouais. Marty McFly. Attendez, monsieur Miguel. Est-ce que vous pouvez me préparer un convoi fédéral, s'il vous plaît, pour Miguel raconter? Tant pis. Ça marche, merci. C'est pas grave. Vous inquiétez pas pour le véhicule, j'arrive. Hein. Pour le convoi fédéral, il est en train de se préparer, hein. Miguel raconter, s'il vous plaît, tu es à jouer à ça. Prenez le véhicule qu'on avait. Je ne comprends pas. Ouais, écoute, tu m'as kidnappé, Miguel raconter, tu étais démasqué devant moi. Oui, mais. Que ça, tu le comprends. C'est vrai, mais ce n'est pas de ma faute. Excuse-moi, c'est j'avais un amigo, ça devait être l'élu. Ça devrait être lui qui allait tous nous sauver. Qui est ton ami? Anakin. Ic ta mère. C'est bon, il m'a gaffé. Il a sombré. Miguel, oui. Tu vas terminer le dernier pour toute la nuit. Hein. Je te promets. Tu veux sortir ou aller le dernier? Oui, je veux sortir. Donc allez, c'est quoi l'histoire? Pour de vrai, c'est bon. En gros, j'ai une fille. Non, c'est la vérité. Écoute-moi jusqu'au bout pour de vrai. Là, c'est la vérité. J'ai une fille, d'accord? Une fille et un fils. Et il se trouve qu'à Los Santos, il y avait beaucoup de poussière. Beaucoup de poussière à cause du réchauffement climatique. On avait une ferme, on faisait pousser du maïs. En tout cas, là, tu me suis. Ok, intercellar. Et ce qui se passe, c'est qu'on a trouvé un drone. Un drone qui datait de la guerre okay. Froide. De la Russie. Et dans ce drone-là, il y avait des coordonnées GPS. D'accord? Moi et ma fille, on a décidé de les suivre. On est atterri dans une base secrète de la NASA. Et moi, il se trouve que j'étais un ancien pilote d'avion de chasse. Et eux, ils travaillaient sur un projet secret pour faire prospérer
la vie humaine en dehors de, du système solaire. Il se trouve qu'il y a un trou de verre. Kéron, qui... mets-le dans le, dans un... le bus. Attends, non mais attendez. On s'il vous plaît. Allez, dépêche-toi là, je te lève. Ok, c'est bon, je dis la vérité. C'est bon, je dis la vérité. C'est bon, je dis la vérité, vraiment, vraiment. Oui, Camilo, qui, dis-moi, je suis libre. Ouais, non, Camilo, Camilo, s'il te plaît. Camilo. Camilo. Ah, c'est trop tard, Miguel. Allez, lève-toi là. Camilo. Seul. Camilo, écoute. Camilo, y a plus de Camilo. Allez. Mais seul ou pas? Ça marche. Camilo. Oui. Ok, la vérité. Mais là, c'est vraiment la vérité, hein. En gros, j'habitais dans une maison avec ma famille. J'avais un jouet. Et il se trouve que ces jouets, pendant que j'étais parti à l'école, ils devaient... Allez, lève-toi, parle de Toy Story, l'enculé. Ok, non, c'est bon, la vraie vérité pour de vrai. Pour de vrai. Non, pour de vrai, c'est bon, Jeannette. C'est bon, tu vois, là, c'est prévisible, je vais pas encore abuser. Je suis pas un trou de balle. En gros, on avait un voisin, c'était un vieux. Comment il s'appelle? Cruzado. Oui. Tu vois, il avait une femme, Cruzado, je t'en rappelle ou pas? Parce que sa femme est morte, hein, monsieur. Exactement, et depuis que sa femme elle est morte, il est super triste, tu l'admets. Elle n'est pas morte, espèce d'enfoiré. En tout cas, moi de ce qu'on m'a dit, elle est morte. Et lui il avait besoin de ses vadars. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté plein de ballons. Oh putain. Il les a accrochés à sa maison. Kéron, emmenez-le en fédéral pour ce soir. Il voulait un peu ses vadars et oublie ses problèmes. Ah, c'est pas possible. Il a rencontré un enfant et un chien et une girafe. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est un gros pélican. Oui. Avec le vieux monsieur et tous les chiens. Super, chien qui parle. Tu vas faire 1000 pierres, toi. Pourquoi? Moi, j'étais juste un scout. J'étais un scout, je voulais lui vendre des chocolats. Vas-y, repars en cellule, on va t'amener à la prison. Camilo, je voulais juste... Détention provisoire. Mais quoi, je vais te tuer. Je voulais juste lui vendre du chocolat et sa maison, elle s'est envolée. Je pouvais pas savoir. Rentre là, rentre. Qu'est-ce qu'il y a? Mais comment tu fais pour le supporter? Non, mais je crois que là, je le supporte plus. Si tu me dis que je vais finir en fédéral, là, je vais le tuer. Oui, il a dit que... Non, mais il a dit qu'il nous l'est prêt à nous donner toutes tes armes et la drogue. Il a déjà chopé un Glock et des munitions là. Ah moi, il m'en bat les couilles, je veux juste les femmes. Putain, tu t'en battras les couilles. Non, mais j'ai plus sûr. Amenez-les, un détention provisoire le dernier pour ce soir. Le problème, c'est que j'ai pas qu'un seul Miguel dans l'histoire. Ok, Camilo, c'est bon, je vais te dire la vérité. Oui, tu veux être le meilleur des dresseurs Pokémon et t'en as un qui s'appelle Pikachu, j'ai compris. Oui, t'es un homme. Sérieux, t'as Pikachu? Non, écoute, pour de vrai, en gros. Oui, tu parles. Non, écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi, pour de vrai. Là, c'est la vérité. En gros. On avait fait un braquage à une ville qui s'appelle Blackwater. Mais vas-y, parle. Non, mais... Allez, vas-y, sors de la cellule. Ah oui, à TikTok aussi, fils de pute. Il se trouve que ça a dégénéré. Dutch, il nous a dit qu'il avait un plan. Un Blackwater. Oui, il nous a dit. Dutch nous a dit qu'il avait un plan, mais c'est pas vrai. Il y avait un amigo à moi qui s'appelle John. Il s'est fait attaquer par des loups dans la montagne de neige. T'étais à d'autres chevals. C'est pour ça qu'on devait te kidnapper, c'est pour ça. Tu vas bien t'amuser ce soir, dernier. Allez, viens là. Vous pouvez ouvrir la cellule, oui. Monsieur Vertigo, j'ai pas les croix. Oh, ces histoires, lui. Il y a eu zéro spoil, ça. J'ai dit zéro spoil de rien. Non, mais je sais plus quoi faire, moi, les gars. Toi, tu vois aussi, hein. C'est la merde. Il m'en fout. Dernier, moi, j'ai pris une voiture. Il y a eu zéro spoil. Zéro, la famille. Ah. Un être humain. J'espère que tu vas faire des belles funérailles, Vertigo. On a même pas de cellules? Non. Je vais commander des cellules, si, t'inquiète pas. Tu peux partir. Enfin, tu peux sortir là-bas. Et voilà, Rosary. Ah là, encore une fois. Là, il y a envie d'écouter Spotify. Bon, on leur met combien? Ils font comme une pierre. Mais apparemment, il y a des cellules quand même, les Hermano, hein, je crois. Hein. Oui, mais d'abord, vous allez ramasser des pierres. Non, il faut qu'on... il faut qu'on y aille, Hermano, regarde-leur. Non, vraiment. Je veux dormir. Attends. Attends. Si vous allez faire des pierres. 3. 3 pierres? Non. Demandez combien vous étiez. 3. 100 pierres. Négatif, il faut qu'ils aillent dormir. Donc, faut les mettre en cellule. Vous avez pas envie de faire 100 pierres? Non, merci, c'est bon. 20 pierres. Non, 0. Attendez, je vais voir s'il y a des cellules. Mais... Ouais, va voir. Tu veux que j'aille voir? Oui, va voir.
Oui, oui, il y a des cellules. Juste la question, c'est comment on y va? Non, là, c'est la cuisine, je crois que c'est par là-bas. Oui, venez! Venez, venez. Il pleut, ouais, venez, on se met à l'abri. Il a trouvé des cellules. Ça, c'est bien, Miguel. Ça, là, tu vois, je t'aime bien. Tu participes avec le groupe. Alors, bien sûr, je collabore. C'est bien, ça. Non, mais je savais. Hein. Oui, je savais. Ben oui. Voilà. C'est sûr. Vous demanderez à Gérard, il vous ferait un petit plat. Hein. Il nous faudrait des tenues prisonniennes. Attends, il n'y en a pas? Bah, j'ai fait une commande, mais... Ok, maintenant il va te poser une question. Après, je pense que notre jogging, Monsieur Raconté, fera largement l'affaire. Merci. Non, on, merci. En a, on met des tenues de prisonniers oui. T'en as ouais. Bah, on peut là. Ouah, c'est bon. Moi, il faut que je vienne dormir là, ça y est. Vas-y, allez en cellule là. Allez, mettez-vous merci. Chacun dans une comme cellule, ça, s'il vous plaît. Et demain, nous oublierez pas, hein. Ouais, on fait un petit bip. Petit bip et on arrive. 69. Tu dors avec moi, regarde, il y a deux lits. Allez, au revoir, buenas à tous. Au revoir, monsieur Miguel Raconté, bonne nuit à vous. Au revoir. Au revoir. Allez, 69, au revoir. Regarde la pièce, allez, ciao, Miguel. Au revoir, monsieur Hugo, bonne nuit. Hein.